go, calm down. Calm down. C'est moi. Oui. Vous étiez là parce que vous aviez eu un accident de voiture, c'est ça? Je sais pas. Est-ce que ça va mieux depuis? Ouais. Je vais vous aider à vous relever. Je vais vous administrer une poche avec antidouleur et anti-inflammatoire.
Déjà, tout ça, ça devrait vous aider à aller un peu mieux. Ouais, un petit peu. Du coup, je vais vous faire un test, savoir si ça va un peu mieux depuis hier. Est-ce que vous pouvez lever vos bras? Hop là, ouais. Ok. Est-ce que vous pouvez suivre mon doigt avec vous, du regard, du coup. Ok, c'est qu'il n'est pas bloqué. Dans ces cas-là, éventuellement, on peut ouais. Le baisser ici. Hop là. Est-ce que vous ressentez des douleurs quelque part? Plutôt dans les jambes. Dans les jambes, ok. Hop. Ah bah écoutez, on va aller voir tout ça. Hop là, je vais aider du coup. Allez, je vais bien. Là, je vais vous aider à retirer du coup vos chaussures. Ok. Ainsi que votre pantalon. Hop là, et voilà, vous allez pouvoir vous installer sur la table. Hop là. Moi, je règle la machine. Voilà. Et si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à parler un peu plus fort, j'arriverai de suite. Ça marche, merci.
des hématomes ainsi qu'une fracture. Alors, j'ai pas entendu le début de votre phrase. Ah, vous avez, ok. Du coup, je vous disais que de ce que j'ai détecté à la radio, vous aviez, hier soir, quand vous êtes arrivé, vous avez une fracture à la jambe droite, ainsi que pas mal d'hématomes. D'accord. Au niveau de votre, de vos jambes. Hop là. Du coup, je vais vous poser une attelle. Hop là, voilà. Et je vais vous mettre un petit peu de pommade. Ça marche. Hop là, voilà. Et je vais vous aider à vous relever. Je me rhabille. Oui, vous allez pouvoir, du coup. L'attelle va vous empêcher de sauter et de courir pendant une petite heure. Il faudra super. Repasser à partir de 18h50. Ça marche. Est-ce que vous souhaitez une canne pour vous faciliter la marche ou pas? Je veux bien. Alors vous dites, j'ai eu un accident de voiture? Oui, a priori oui. Mais... Enfin, peut-être pas, enfin... Vous étiez peut-être pas triste, mais ou... Je me souviens pas avoir ce sentiment à ma voiture. Peut-être que vous étiez fait renverser, je sais pas. En tout cas, moi, de ce que j'ai noté sur ma note d'hier, c'était AVP voiture. Donc, je pourrais pas vous en dire plus, parce que c'est pas moi qui vous ai récupéré. Wow, calm down. Hop là, je vous rappelle. Et voilà. Et ben, merci. Et ben, du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, bonne soirée. Tout à l'heure, dans une heure. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Docteur Nachos. C'est exactement pour ça que j'ai pouffé de rire. Terrible. Terrible ce qui vient de se passer là. Régler un micro pour les joueurs. Mais je sais pas, est-ce que vous avez bien entendu le bonjour ou pas? Parce que je ne sais pas en fait si j'ai un problème de son moi ou si c'est si c'était le joueur en question. Le joueur était pas fort et je l'ai déjà augmenté de beaucoup quoi. Pas lui, pitié. Non, lâchez-moi. Non, la commissaire, comment vous bonjour allez madame. Madame la commissaire, waouh, ça tombe hyper bien qu'on tombe. Attends, sur vous, putain. Commandante, du coup, commandante. Commandante, pardon, mes respects. Ah, eux, on les entend bien, je crois. Du coup, je vous explique. Je sais pas si vous avez vu, vous savez, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Déjà, bonne Saint-Valentin à vous, madame la commandante. Joyeux Saint-Valentin. Merci. Joyeux Saint-Valentin. Et je sais pas si vous avez vu dans le Weasel, nous, aujourd'hui, on fait pas de bêtises, parce que toute l'année, on travaille sur des produits exceptionnels. Mm-hmm. Aujourd'hui, on est Uberflower. Uberflower. D'accord. Tada. Et du coup... je vous explique le concept, on vend des fleurs, c'est des vraies fleurs et tout, regardez, sentez, regardez comment... Je sens, voyez, oui. Vous voyez, c'est pas des fleurs en plastique que vend le curry, hein. Ça, c'est des elles sont fleurs exceptionnelles. Elles sont magnifiques, messieurs. Oui, du coup, moi, je voulais savoir, est-ce que c'est possible, on parte sur un partenariat, vous nous achetez des fleurs pour mettre dans le commissariat et on vous fait une réduction de fou. Ah, c'est la mairie qu'il faut de demander des ça, on gère pas parce on qu'on les a vendu choses, déjà à la mairie. On en a déjà vendu à la mairie. Oui, mais c'est la mairie qui gère le budget de l'SPPD, pas nous. Ah bah alors là, on parle pas à madame la commandante du commissaire de l'espace. Là, on parle à madame la mais je vais pas payer pour décorer est... tout le SPPD si non. Je dédécore mais non, mais c'est chez pas moi. Pour votre travail, c'est pour vous. Mais au moins pour décorer votre bureau et votre en tant que personne, pas en tant que policière. J'ai pas de bureau. Vous avez pas de bureau, au moins pour décorer votre cœur, madame. Ah oui, d'accord. OK. Parce que du coup, je vous explique, normalement le bouquet c'est 4000 dollars. Combien? Oui, 4000 dollars. Non mais ça va pas. Attendez. Attendez, on en a parlé entre nous auparavant.
Et entre nous, on est prêt à vous faire une réduction de 25%. C'est pour les fonctionnaires, on appuie tout le temps la même réduction. Mais vous, en plus, comme vous êtes madame la commandante, et que on va être très gentil, on est prêt à vous faire super. Une réduction. Super. 50% sonne. Messieurs. $2000, ouais. $2000 le bouquet de fleurs, c'est exceptionnel, madame. Et ouais, vas-y, 2000 si tu veux. Monsieur, vous croyez pas que mon copain va se charger ça? C'est quoi le numéro de votre copain? Je ne le donnerai pas. C'est quoi son matricule? Je ne le donnerai pas non plus. Est-ce que vous pouvez envoyer... Attends, je vais me soigner vite fait. Oui, non, il y a tout le monde qui a fait ça. Est-ce que vous pouvez envoyer mon numéro à votre copain pour me contacter? Pour qu'il achète faire des ça. Fleurs pour votre cœur. Je peux faire ça, mais je pense qu'il ira de lui-même acheter des fleurs. Non, il va acheter vraiment des fleurs en plastique pour vous. Je crois qu'il vous aime pas assez. Pardon ? Si vraiment il vous aime et qu'il a un cœur énorme et que vous allez, il voit l'avenir entre vous, il va acheter des fleurs de Uber Fleurs. C'est sûr et certain. C'est sûr. Moi, je crois en vous et je crois en votre couple. C'est quoi votre numéro déjà ? 6036. C'est envoyé, mais je sais pas si vous appellera du coup. Vous voulez pas offrir des fleurs à votre mari? C'est pas mon mari. C'est votre homme. C'est mon co-compagnon de vie. Vous voyez l'avenir avec lui? Oui. Voilà, madame. En même temps, j'ai pas besoin de vous raconter ma vie, hein. Oui, non, mais c'est juste pour savoir. Parce que on est des fleuristes aujourd'hui, on n'est pas des criminels. Mm-hmm. Des délinquants, je sais pas quoi. D'accord. Aujourd'hui, on est vraiment des fleuristes. Toute l'année, on travaille pour avoir ce produit exceptionnel que vous avez en face des yeux. D'accord. Moi, je pense que vous pouvez lui acheter un petit bouquet de fleurs à votre mari. Moi, je serais un homme, ça me ferait tellement plaisir de le recevoir à mon mari. Ah oui, d'accord. Bah, je reconsidérerais la chose que quand je le recroiserais. Vous voulez pas acheter un bouquet de fleurs pour votre mari? Pour votre chéri? Pas pour l'instant, en tout cas. Vous lui avez donné mon numéro, il me recontacte? Oui. Merci beaucoup, madame la commande. Eh ben, faites attention à vous, en plus, vous avez une canne. Du coup... Oh bah oui, oui, vous m'avez un peu sauté dessus alors je sors du coma, oui, mais c'est pas très grave. Oh merde! Allez. Mais c'est pas grave, vous avez un cœur rempli d'amour. Oui, oui, le cœur rempli d'amour et les jambes remplies de... Bref. Bonne soirée. Le timing pour tomber sur eux. Ça va vous? Du coup, c'est bon, vous les avez entendus? C'est pas moi qui bug? Enfin si, moi j'ai un problème de son, mais qui est différent. Je veux dire, pour vous, ça, c'est bon, vous avez entendu, les messieurs? Ah. Allô? Ouais, il m'avait appelé hier. Oui. D'accord. Peut-être. Je sais, oui, bah, je sais pas. Ouais. Je sors de l'SSES, j'étais dans le cocoma durant la nuit, du coup, j'avoue, je me rappelle pas trop, là. Bah j'en ai aucune idée, on m'a dit que j'avais un accident de ma voiture, mais je me rappelle pas avoir sorti ma voiture, donc je sais pas ce qui s'est pas passé. On m'a laissé pas partir que comme ça. Enfin voilà quoi. Allô ? Allô ? Voix faible, mais c'est insupportable. Bilops ? Bah je raccroche, hein, vous me rappelez. Allô ? Ah, allô ? Ah oui, oui. Ah, mais ça va ? Oui, bah compliqué le réseau téléphonique. Mais... Ah oui, d'accord. Oui. Le retour radio pour me mettre de tête. Oui, du coup, oui, d'accord. Bah oui, je sais pas ce que vous avez entendu à mon explication, du coup. Que vous avez un accident, je venais pas avoir sorti votre voiture. Bah oui. Du coup, je sais pas d'où se sort l'accident de vos voitures. Bah, je sais pas, je peux pas vous dire. Oui. Non, mais je me souviens pas de ça. J'ai pas sorti de ma moto depuis... Non, je crois que j'étais avec un co-collègue, mais je saurais même pas dire qui. Alors, peut-être commencer par là, trouver le collègue, il pourra peut-être vous dire. Non, je sais pas. Oui, c'est pas con. Un début de piste, hein, là. J'étais avec un collègue.
Non, bah, je vais bien finir par te trouver qui c'était, oui. Oui, ça vient de savoir ce qui vous arrive. Ok, bon, bah. Bah oui, ce serait vraiment ce délire, oui. Très bon, reviens, vous me direz bien ce que vous vouliez. Promis. Allez, vendu. Et bien, plus tard, prenez soin de vous. Un peu plus tard. Bon, alors, comment ça se fait? Je suis en train de réfléchir, hein, mais en fait, je sais que j'ai un souci de son, puisque moi-même, déjà, je suis obligé de monter ma Go XLR relativement haut ces derniers temps, sans que je sache vraiment pourquoi. Et j'ai beau chercher partout, je ne trouve pas la solution. Voilà, du coup, c'est embêtant pour vous, parce que là, mon Twitch, mon TS, je peux pas le mettre plus fort que ce qu'il est déjà. Ça va être difficile, là. Ah ouais. Est-ce que je peux faire des trucs comme ça? Ah, peut-être que là... J'ai peut-être trouvé un truc. Vous allez me dire. Quand on croisera... Il y a sûrement Holden qui va venir nous chercher. On va voir si ça change quelque chose ou pas. Avait eu aussi un souci de son et micro. Non, non, mais moi j'ai pas de. C'est pas du tout lié à 21. C'est partout super. En fait. Globalement. J'écoute. Enfin, si je regarde une série Netflix, je vais devoir mettre mon curseur de Go XLR bien plus haut que ce que je devais auparavant. Je sais pas à quoi c'est dû. Voilà. Ah ouais, putain, je vais me mettre au radar ici, ça va être un crin. Non, ça va, ils roulaient pas si vite. Ils peuvent pas rouler vite avec un machin comme ça. Et le temps qu'il me répond. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Merci pour les nombreux resubs. Il y en a eu quelques-uns quand j'ai décidé que j'allais pas vous parler avant le début du live. je suis la pire. Hop. Alors, j'en chie. Ça va bien se passer. Ouais. 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 Ok. J'ai tout pété. J'ai tout pété, mais vous inquiétez pas. Au moins je peux faire ça, c'est fantastique. Ah, non. J'ai tout pété. On avait dit quoi, Streamers Pro? Mais vous êtes au fait hein, de cette information-là. Je veux dire, vous le savez. On n'est pas à notre premier coup d'essai ici. Ici, n'est-ce pas? Hein? Oh non, arrête! Arrête de faire ça aussi. Ça va pas du tout, Clefcy. Hop là. Donc merci, je disais... nombreux resubs qui se sont manifestés, à savoir Lanval, Malkou, Calmara, Tagazog et Jus de Pomme. Voilà, cœur avec les doigts. Et bienvenue aux derniers followers. C'est tellement bien dit. Clefcine, j'ai pété. Clefcine, c'est tout pété. Est-ce qu'il va venir me chercher, vous pensez? Super. Je suis à deux doigts de tenter de traverser et de me faire rouler dessus. Parce qu'il faut que je vous explique ce qui s'est passé hier. Elle m'a fait très peur cette voiture. Je peux pas courir. Si elle me fauche, elle me fauche. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Nelim! Go, calm down! Merci Nelim pour ton resub. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Alors, moi je le sais parce que, évidemment, il a parlé durant la période où Nash était en coma. Mais il se pourrait que ce soit Matteo Ortega, je crois, si je dis pas de bêtises, qui était en train de tester une voiture et qui a pris une rue à 240. Rue que nous étions en train de traverser avec le bien-aimé Stevenson. On a été fauchés, les deux. Et alors c'était très drôle, hein. C'était très drôle, mais à 1h du matin, je me suis dit, bon, on verra ça demain. Hop. Voilà. Wow, flight, calm down. Flight. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, ton pseudo fait flight. merci pour ton resub. La parole, Kansi bien nage. Quoi? Kansi bien nage. Hein? Je l'ai pas.
D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de te répondre en MP, Atmek, hier. Je crois que c'est toi. Oui, c'est toi, je suis pas folle. Dis-moi que je suis pas folle. Je crois que j'ai vu et que j'ai pas répondu. Ah, si, et bien, nage. Ah oui. Y'a rien dans Worry. Ah oui, non, mais je te répondrai. Mais en plus, j'ai regardé sans le son, du coup, je comprenais pas. pardon, la mère. Et bonjour, bon anniversaire, un peu en retard. J'espère que les pizzas étaient bonnes. Je vous avoue que la conseillère a émis l'idée, je n'ai pas pu résister. Merci. La soirée ne s'est pas terminée comme prévu. Si c'est Holden, c'est drôle. Il m'a pas vu. Ouais, c'était énervé. Hein. C'était vraiment énervé comme paf la hanche. J'étais morte. Morte de rire et Nash était morte. Juste morte. Pourquoi stream si c'est pas pour faire mourir Nash? Tex, j'étais à deux doigts. Faut le savoir. Coucou Léo. Cœur avec les doigts, Léo. Attention, va-t-il y avoir un paf la hanche là-dessus? Ça peut être fatal. Hein. Fatal. Lui là, regardez lui. Ok, c'est bon. Je vais vous montrer dans la rue. La rue dans laquelle c'était. Parce que... Vraiment, ça... J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. C'est-à-dire que... Le PDP, il est là, ok? Le garage où nous garons nos voitures, il est là. Le carrefour le plus dangereux, c'est celui-ci, d'accord? On s'est fait faucher là. Ça fait faucher là. Et le mec arrivait évidemment en sens inverse. Sinon c'est pas drôle. Il misait au bal, mais les voitures c'est sa kryptonite. C'est drôle. Parfait. Le gars il est arrivé peut-être bien du Bénise. Ici c'est une rue en sens unique, direction ouest. Donc si t'arrives de là et que tu vas là, sur cette portion là tu es en sens unique. Enfin en sens inverse. Il est arrivé là à 240. Et on était... Je crois qu'on était presque sur le trottoir, d'ailleurs. Enfin, voilà, quoi. C'est ici le speedrun de LS. Comment ça? Comment ça? Suplex. Ah là, clairement, on était sur du perplexe de qualité, là. J'ai rigolé, hein. J'ai eu aussi envie de canner, faut pas se mentir. Holden qui n'a aucune pitié. écoute, là, Olivia, je fais une déposition. me saoule pas. C'est long, hein, quand on peut pas trottiner. Hein. pas trop de speed et pas trop de run. on peut pas trop, effectivement. Heureusement, c'est pas 5 tours de PDP. Je suis chaud, hein. Faut pas me tenter. Faut pas me tenter. Ça peut arriver à tout moment. En tout cas, je sais que vous avez dit beaucoup de choses là pendant que j'ai décidé que je vous parlais pas pour le début du stream. J'ai vu aussi des réactions en mode putain, elle répond pas, c'est une streameuse de marbre et tout. J'étais morte de rire évidemment à certaines vannes. Je voulais juste pas vous le montrer. Mais en fait, le truc, c'est que je peux rien faire. Je vais juste rester là, je vais mettre une plaque et puis je vais faire du papier, quoi. Ça va être sympa, on va discuter pendant une heure. Il m'a dit une heure, mais c'était il y a combien de temps? C'était il y a combien de temps? Salut, Daddy. On est de marbre. Les bâtards. non, ça sert à rien de mettre un étui, Nash, tu ne peux rien faire. Est-ce que je peux? Ah si, je peux! Incroyable! Pan avec la canne. Hop là. Pas de backseat. On est bien d'accord, pas de backseat, bien que ça m'aurait arrangé.
En vrai, ça doit faire quoi, 10 minutes? Donc on va dire 15. 18h15. Tu restes là comme ça, sans rien faire, mais est-ce que ça change d'habitude? Wow! Tu arrêtes maintenant! Pas courir, mais plomber des gens. Oui. Nash a fait les pneus de la voiture de Rich au dernier moment. Commandant? Oui? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bah, je sais pas, c'est bien la question. Ah, ouais, d'accord. Je sors du LSSES. On m'a dit que j'avais eu un accident dans ma voiture, mais ma voiture, elle a pas bougé du parking, donc je sais pas ce qui s'est pas passé. Vous étiez avec quelqu'un hier soir? Bah, j'étais avec un collègue, oui, mais j'arrive pas à me rappeler de qui je suis pas parti du PPDP. Vous avez peut-être un peu bu, non? De quoi? Vous avez un peu bu? Ah non, j'ai pas bu, non. J'ai encore les bouteilles de champagne offertes par la mémérie, c'est sur moi, c'est pas pour te dire. Je sais même pas où c'est arrivé. Bah oui. Ah, c'est terrible. Et le même médecin, il m'a juste dit, oh, je suis pas accident de voiture. Ah bah c'est très peu précis, en tout cas. Ah ouais. Je peux pas vous dire à quelle heure, quand... Je crois qu'il m'a dit 1h, mais j'ai peut-être tout publié. Ah. Faire attention, monsieur, bon, c'est... Oui. Bah, des ouais. Accidents et que vous souvenez pas, c'est... Oui. Bah, je lui ai dit que je m'en souvenais pas, mais il avait... Je pense qu'il s'en bat battait les couilles, si tu veux tout savoir, Evans. Ah oui, c'est terrible, ça. Du coup, bah, je sais pas, je crois que Holden, il est au courant, parce qu'il m'a demandé si j'étais encore au LSSES, donc je vais peut-être lui poser la question, peut-être que lui, il sait. Ah. En même temps, attends, j'ai reçu... C'est quand même dommage de devoir demander à Holden plutôt qu'un médecin. Ah, mais attends, mais... j'ai demandé à Stevenson, il m'a envoyé un même message, c'était peut-être lui. Il est là, Stevenson? Ah oui, oui, il en patrouille. Hmm. Bah, je vais bien voir ce qu'il me dit. Hein. Bah écoutez, oui. Faites attention à vous, parce que bon, vous êtes roulant une semaine, d'après. Mais tu sais, au début de ma carrière, c'était tous les jours. Hein. Ah oui, d'accord. Bon, bah tant mieux alors, ça s'est calmé. J'en ai vu d'autres. En même temps, ça me. Enfin, ouais, j'aurais aimé qu'il se passe sur rien, que je dorme chez moi, là. J'ai déjà dormi à l'ESSS dans le Kokoma, oui. Ah ouais, c'est pas rien. Hein. Bah non, c'est pas rien, effectivement. Ah ouais. J'ai fait qu'une seule fois un accident, j'ai jamais fait coma encore depuis que je suis allé sur les jeux, je crois bien. Ah oui, d'accord. Eh bah, bien, bah, bien joué. Bonjour. Eh bah, bon rétablissement à vous. Oui, eh bah, merci, c'est bien, je vais faire du peu papier en attendant. Salut, commissaire. Bonjour. Tu sais ce qui m'était arrivé ou pas? Remercié par des schtroumpfs, on m'a dit, oui. Par des schtroumpfs? Oui, bah, par des stécasses, quoi. Ah bon? Mais qui c'est qui t'a dit ça? Et comment il sait ça lui? Mais même moi je sais pas ce qui s'est pas passé. Il m'a dit, vous êtes fait renverser par des... 10-5, je vais 10-6, 10-8. C'était casse. Mais je vais me les faire. Quand je pourrais, parce que là je peux pas, mais je vais me les faire. C'était qui? Tout le monde? Ils étaient tous là? J'en sais rien, j'ai pas plus d'infos. J'ai eu téléphone seulement par téléphone aujourd'hui. D'accord. Vous parlez un peu fort, commandant. Oui, pardon. Oui. Bah du coup, il m'a dit, t'es encore allé sur SES, donc je me suis tout douté qu'il se savait, que j'étais là. Et après, il n'est même pas venu me chercher. Savez-vous Vous avez bien reçu ce que je vous ai envoyé? Ah bah j'ai pas pris le temps de regarder, j'étais dans le cocoma, mon grand. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gagardner, ça va? Ça va et vous? Bah, écoutez, plus ou moins. J'allais dire, ça a l'air, oui. Je suis un peu perplexe, oui. Oui, ça a l'air perplexe, effectivement. Ah bah oui, je sors du LSSES. Donc, au commissaire, ça sait mieux que moi ce qui s'est pas passé. Alors, je suis un peu perplexe, effectivement. Bref, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah, en fait, je vous appelle parce que vous m'aviez appelé. Ah oui. Donc vous m'avez appelé, donc je vous ai appelé. Oui, oui, ça me parle ça. Oui, c'est pas parce qu'on avait, un abruti en ses cellules qui voulait absolument un avocat et vous étiez affiché en commis d'office. Oui. C'est pour ça. D'accord. Et je me doutais bien qu'il n'y allait pas avoir grand monde à me répondre. Et, bon, bah, on a fini par trouver quelqu'un. Ah, ouais, voilà si quoi. Oui, j'aurais été là, j'aurais répondu. Mais, ouais, oui, bah oui, c'est logique jusque là. Pas de soucis. Ok, bah j'ai découvert ça, pas de problème. Voilà. Bah, je vous dérange plus longtemps, alors bon courage pour votre... Pas de souci. Oui, je vais enquiquiter sur ma vie, oui. bonne soirée. Bonne soirée à vous, merci. Au revoir. Au revoir.
Vous l'avez entendu, Garna, ou pas? Est-ce que vous l'avez entendu? Bonne soirée à vous, bon courage. Ah, super. Donc c'était assez fort. Ah oui, pardon, je vais ranger mon téléphone. Oui. Donc je me suis fait faufaucher, quoi. Apparemment. Non, mais pas parce que le même médecin, il m'a dit « Accident de ma voiture ». Bah, désolé, ma voiture, elle n'est pas sortie du peu parking, quoi. Ouais, et après, je... C'est tellement dolden, hein. J'ai qu'à les infos. Il m'a dit qu'il était bloqué en dépôt position. Du coup, bah, j'ai dû faire LSSES ici, à pied. C'est pas cool. Parce que c'est un peu peu long, quoi, je veux dire. Avec une attelle et une kikane. Ils s'en battent tous les couilles. Là. L'attaquateur. Mais c'est trop bien comme voiture. Super! J'ai pas trouvé un ASP ce tout l'après-midi. Ouais, mais c'est bien l'ASP. Je fais la descente et quoi, sur une moto, bon, vraiment. J'aime bien. Je l'ai perdu. Mais... Ah, c'est con. Bon, j'ai 2-3 trucs à rattraper, genre. Wow, calm down! Ah, oui, ok. Ouais. J'ai appelé tout le cercle hier, du coup, presque oui, tout le cercle m'a rattrapé. Parce qu'il y avait des écocotiers entendu proche Little Séoul et je voulais savoir s'il y avait quelqu'un du cercle qui était là, oui. D'accord, et si ça allait. Il m'a pleuré pour autre chose tout à l'heure et il m'en a parlé, j'ai dit bah, je me renseigne. Il n'est pas là donc. Ah. Après ce soir, bon, ce soir il n'est pas là donc. Ce soir il n'est pas là. Ouais, donc voir avec quelqu'un d'autre. Bah, je sais pas, je vais rappeler tous ceux qui m'ont un peu pelé. Ça me paraît bien. Ça va être long, hein. Pardon, il t'a appelé tout le cercle. Ah oui, tous les membres, tous ceux qu'on a répertoriés, je les ai tous à peu pelés. Je me suis dit, s'il y en a un qui est de debout, il faut que je tombe sur lui, quoi. Alors, c'est où le BE, là? Tu m'as dit qu'il était papa, là, je vais lui faire un même message. Ah, tout à l'heure, j'ai lu chez quoi, ça faisait longtemps, tiens. Il est encore vivant, lui? Il était en Weeville. Waouh. Et des stratégies. Merci, Mara Phoenix, pour ton prime. On croise pour ton deux petits kilomètres du Black Cat, on croise. Il commence à tourner autour d'eux. Mm-hmm. Il commence à faire joujou avec les kilomètres du Black Cat, du coup, il tourne autour d'eux. Oui. Ah bah, une fois, deux fois. Une fois, deux fois, on fait les pneus. Hop, et puis après, bah, le centre continue. On arrive au niveau du Mirror Nord. Et là, je mets un petit pit. Oui, il se met sur le côté, il s'arrête. Il s'est pris sur un Terre 2 parce que, comme je lui ai dit, j'aime pas qu'on tourne autour des véhicules entreprise. Pas bon pour un con. Hop, ça s'est passé. C'est pas des. Pas fait pour ça, quoi. Les gens, ils travaillent. Ils voient une super aide, ils sont pas faits pour être au milieu d'un 10-31. Vide. Je vais voir ce qu'il veut l'accueil. Oui. Je lui ai mis un giga avant, je l'ai pas écouté, le pauvre. C'est aussi ça, la vie de Nash, c'est... écouter... la moitié des phrases qu'on lui dit. Du coup, c'est qui, Thibaut? Et oui, le chili était bon. D'ailleurs, tout à l'heure, on fera sûrement une pause manger. Et je mangerai le reste de chili. On va faire une petite pause de type... de pâtes par exemple, parce que j'ai plus de riz. C'est un peu ça la vie de Nash, effectivement. Hop, ensuite je réponds à ça. Bonjour, merci pour le message. J'ai transmis
et transmis à mon agent. Le son de clave qui fluctue, non, c'est sûrement parce que je parle pas en face de mon micro parce que je suis une sac à main. C'est moi. T'inquiète. Ça va bien se passer. Bon, alors je suis désolée parce que j'ai beaucoup de choses à rattraper dans les canaux. Et j'ai aussi un truc à vous lire. Hop, ça je mets une petite coche. Un truc à vous partager. Toc. Stevenson, il m'a pas répondu, hein. Ah, ça bip. Est-ce que c'est lui ? Oh là là ! Tout ça ! Oh là là, attends, il y a trop de gens qui envoient trop de messages trop longs, là. Si je réponds plus aux appels, c'est que je dors. Eh bah, bonne nuit, Fefe. Il est quelle heure, là où tu es ? Il est genre minuit, non ? Non, je crois que c'est 5 heures. On est pas loin, quoi. Je dis pas de bêtises. Pardon du langage vulgaire, mais bon. Après, je connais ce genre de soucis. Un jour, mon ambulance m'a frappé. Quoi ? Oui, c'est ça, bah, quasiment minuit. Hein. Bah, écoute, bonne nuit, mon grand. À bientôt. Merci d'être passé. Merci, Don. Ok, j'ai répondu à tout le monde. Maintenant, il fallait que j'enregistre les numéros que j'ai pas enregistrés hier, parce que du coup, bah, après, il s'est passé des choses. Notamment O'Neill, qui est maintenant un cercle, et pas un Weasel, par exemple. Ah, c'est drôle. C'est chiant d'avoir trop de contacts comme ça. Faut les mettre à jour après. Le BA. Ça, je vais lire après parce que ça, c'est trop long. Le BA. Suivi des membres de groupe. Ça charge pas. Ça charge. Toc. Toc. Alors, on était où dans les appels ? Ah oui, alors, mais en fait, j'aurais dû live hier parce que vraiment, il y avait des choses qui étaient quand même amusantes. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, c'était mon anniversaire hier. C'était également l'anniversaire de Nash, puisque c'est bien plus facile pour moi de retenir une date de naissance quand c'est la même que la mienne. Oui ? Oui. Oui, du coup c'était pour savoir si du coup c'était bon. De quoi qui est bon? Par rapport au rapport. Bah, j'ai pas lu encore, je te dis. Ah d'accord. Je t'avoue là, j'ai plein d'autres choses à rattraper, mais je vais lire le truc, t'inquiète pas. Ok, ça marche. Pas de panique. Non, je panique pas, c'est juste être informatif. Ça marche. Mais je te dirai s'il manque des choses. Ok. T'as envoyé à Holden aussi? Tu l'as envoyé à Holden aussi ou pas? Oui, oui, j'ai envoyé, justement, il m'a dit qu'on débriefera plus tard. Ok, ça marche. Oui, c'est passé des choses amusantes puisqu'on était en réunion pour la formation, puisqu'il faut, il faut qu'on retravaille un peu la formation, c'est un peu compliqué en ce moment. Et donc, il y a Charles Collins qui m'a appelé, Kim Dwight Collins qui a appelé, Hannibal Wiman qui a appelé, et le clou du spectacle... Alors, au-delà des SMS que j'ai reçus, bien sûr, le clou du spectacle, c'est... C'est Parnasse. Regardez, il est là. C'est Parnasse, puisque Tado avait besoin de se venger de quelque chose. Pour ceux qui ont suivi l'aventure sur Echo avec beaucoup de personnes de 21, notamment Tado, notamment Monody, notamment moi... il se pourrait que l'anniversaire de Tado soit... c'était pas le 30 novembre de mémoire ? Je sais plus exactement la date. Bon, bah il se pourrait que ce jour-là, quand j'ai appris ça, je suis venu dans son salon vocal 5, 6, peut-être 7 fois pour lui chanter 5, 6, peut-être 7 fois « Joyeux anniversaire ». Bon, bah hier, il a appelé Nash et il m'a chanté « Joyeux anniversaire » avec un timbre de voix qu'on a, je dirais, rarement égalé. Un timbre de voix vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Gemini, Madame Parnasse pourra
pourra acquiescer, puisque, de ce que j'ai compris, elle était à côté lorsque ça s'est produit. Voilà. Voilà, voilà. Que j'ai bien rigolé. Mais il ne l'a fait qu'une fois et c'était presque une déception. Je vais pas dire que je suis sado, mais ça m'aurait fait rire qu'il le fasse plusieurs fois pour bien bien se venger de mes conneries globalement. Alors, 35-87, c'est où ça? C'est pas dedans? Ah si, c'est là. Ajouter. Cercle. Hop. 81-65. Bonjour, commandant. Et salut. Vous allez bien? Ah bah oui, je vais bien, oui, et toi? C'est plutôt bien, oui, mais pourquoi vous êtes hier soir? Bah, Skip, j'ai eu un accident de ma voiture, mais j'ai pas sorti ma voiture. Ah, oui, d'accord. Mais on m'a dit que je m'étais fait renverser. Ah, c'est donc ça que m'a expliqué Théo, ok. Qui? Du coup, vous êtes fait renverser par Mathéo Ortega, oui. Enfoiré, je vais l'appeler, mais je vais me le faire, lui, il m'a même pas envoyé un message. Bah attends, deux secondes, je suis sur un autre truc, 73-92. Attends, pas patiente, 74, là. Ouf, Mano, Vago, ça se décasse. Qu'est-ce qu'ils ont? Échange de véhicules. Ah oui, d'accord. La Mano civile et Ortega, les Astecas au Vagos. J'ai pas, donne. 73-92. Les Astecas. Théo Ortega. Je sais même pas comment ça s'écrit son nom. Bah, on peut pas les couilles. Tu peux aller voir tous les numéros quelque part. Oui, mais j'ai la flemme. Ah, madame, madame, monsieur Ortega, ça va? Je suis désolé. De quoi? Je suis désolé. De quoi? Vous vous rappelez de quoi pour votre soirée d'hier soir? Sincèrement, moi je me rappelle de pas grand chose, si ce n'est que mes collègues ont l'air plus au courant que moi, ils m'ont expliqué, oui. Ok, bah je suis désolé. C'est lui en plus. Comment ça s'est pas passé? Alors, je testais une voiture. Oui. Elle est comme des merdes. RSX. RSX, ok. J'ai testé les performances, donc vous vous doutez bien que je roulais pas à 90. D'accord. Et il est possible que tout d'un coup, je vous ai vu devant moi et j'ai pas eu le temps de freiner malgré les efforts. C'était où? Et c'était au niveau de votre parking. Et vous êtes arrivé d'où? 80-76. Je suis arrivé en sens inverse. Ah! Et vous étiez à combien? À vite. Par la vitesse exacte. Je suis désolé. Du coup, j'aurais pu mourir, quoi. N'en dis pas. Bah, j'aurais pu mourir, je suis resté dans le coma toute la nuit. Ah. Du coup, si je peux me permettre, il s'agirait d'être moins con dans la vie. Ah bah oui, là, je suis d'accord, oui. Ok, bah c'était juste pour ça savoir, mais merci du coup d'avoir pas précisé. Merci, je sais pas, mais je suis désolé en tout cas. Voilà. Oui, pas de soucis. Enfin, si, soucis, mais vous voyez l'idée. Oui, soucis, mais voilà. Allez, et bah bonne journée, est-ce que vous allez mieux? Oui, bonne soirée. Du coup, il a fait un peu d'huile d'olive là-dessus, oui. Allez, attends mieux. Bon, j'en étais où, moi? C'est quoi qu'il a écrit droit, là? Il a écrit pas plein de trucs, j'ai pas lu encore. C'est quoi 03-90-17? C'est pas mis dans les groupes. Et c'est au milieu des gens du cercle, c'est pas quelqu'un que j'ai à peu peu. Qu'est-ce qui m'a à peu peu au milieu des gens du cercle? C'est qui? Je sais pas. C'était... Ah non, c'est... 14h33 aujourd'hui. Bah, je vais rappeler. Comme quoi, je fais bien d'enregistrer les numéros petit à petit parce qu'après, je m'en sors plus. Oui.
Allô, bonjour, c'est qui? C'est Charlie d'Oiseau News. Ah, Charlie, alors attendez, votre nom? Charlie Quam. Quam, d'accord. Bah, vous avez essayé de me joindre dans l'après-midi et je n'ai pas votre numéro, d'où... Alors, rappelez-moi qui vous êtes parce que j'ai commandante essayé de prendre de l'SPPD. D'accord. Oui, je vous appelais parce que... pour me confirmer quelque chose, mais alors vous n'avez peut-être pas eu le temps de vous mettre au courant de tout ce qui s'est passé dans la journée. Non, je ne pense pas, étant donné que j'étais dans le cocoma, mais dites-moi tout toujours. Ah, mince. Oh, vous allez bien? Oui, ça, ça roule, dites-moi. Parce que on a eu huit dire d'une fusillade dans le quartier du Cercle. Je demande. À midi et demi. Ils ont eu huit dire d'une fusillade à midi et demi dans le quartier du Cercle. Oui, mais c'était que les balas. D'accord. Ok, vous laissez savoir quoi? Mais parce que le Cercle, on a essayé de les joindre et ils nous ont dit non, c'est jamais arrivé. D'accord. Attendez. Le Cercle dit que ça s'est jamais arrivé à Wesel. Jordan? Il y a eu des tirs, quoi, c'est tout. Après, c'était à midi, quoi. Oui. Il y a eu des tirs d'un côté, c'est tout. Après. D'accord. Ok. Et donc? Vous voulez savoir quoi? Bah, du coup, c'était pour avoir confirmation de si c'était arrivé ou non, sans citer que c'était le Cercle, quoi. Du coup, il n'y a pas eu de fusillade. Il y a effectivement des tirs qui ont été faits. Après, est-ce qu'on parle des échanges? On n'est pas sûr de ça. Okay, c'est possible que ce soit des tirs d'un seul côté. Okay. Et on n'en sait pas plus. C'était à midi et demi. Oui. Ok, bah, je vous remercie. Et puis soignez-vous bien, et je suis désolée de vous avoir dérangé, je connaissais pas votre condition. Non, bah, bah après vous pouvez pas de deviner, c'est pas grave. D'accord. Si je vous rappelle, c'est que je suis en vie et disponible, c'est pas mal déjà. Oh, oui, bah, c'est déjà le principal, oui. Oui. Par contre, si je peux, je vais un petit peu abuser. Du coup, parce que vous allez peut-être être en congé là, pour vous remettre. Ça dépend. D'accord. Parce que j'ai vu avec vos collègues. Alors, il y a vous en chargé de com, oui. Et il y a deux officiers, mais qui... Ils ne répondent pas à tes téléphones parce qu'ils ont des disponibilités un peu compliquées, effectivement. Oui, et du coup, vous pensez mettre quelqu'un ou... Oui, on est sur le dossier, mais il faudrait que je croise la dite personne. Ok, bah, c'était juste ça. Je vous remercie beaucoup. Le Cercle, il faut venir prenez entre 10h et 15h. Ah, attendez, mon co-commissaire a ouvert sa bouche en même temps que vous. Répétez. Je disais, prenez soin de vous. Je vous remercie de vos informations. C'est gentil. Eh ben, merci et bonne soirée. Merci, vous aussi. Au revoir. T'as dit quoi ? Entre 10h et l'heure du goûter, il faut appeler. Ah oui, d'accord. Putain, elle m'a dit qu'elle s'appelait Cocomo. Charlie. Elle m'a dit. Charlie quoi ? Je sais, c'est plus. c'est pas grave. Je lui ai posé la question. Elle n'est pas dans les journalistes Couon Charlie. Charlie Couon. Super. Ah, c'est pas trouvé. Ajouté. Hop. 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 Ensuite, le truc de droit. Alors... Pourquoi Laetitia Tonneau, il était... Ah oui, c'est le mec qu'on a... Qui devait nous ramener des infos, là, c'est ça? Je viens d'avoir une remontée de Billups. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Vas-y. Ça va être des gars qui font des records de CP chez vous, qui se targuent d'avoir été le plus de 40 CP devant les crimis. Attends, j'ai pas compris. Il y en a qui se la pètent en disant qu'ils ont fait genre 20 CP dans la journée? Ouais. Mais je vais même les faire. La personne ne se souvient pas du matricule, mais apparemment... Je vais les prendre un peu par un, je vais leur faire la même misère, je pense. À cette telle heure, au PTP, j'ai dit aux agents, bah, c'est bien, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait autant d'arrestations. Ouais. Mais non, ça sert à rien d'avoir. Il y a
Comme si t'étais pas là, j'ai toujours personne qui m'a jamais répondu, quoi. Donc, Les gens ne... ça m'énerve. Je vais me les faire. Hein. Les gens n'assument pas leurs conneries. Ah, mon téléphone. Je vais pas faire longtemps ce soir. Bah moi ça dépend. Si je reste tout tard pour me refaire faufocher, je vais peut-être pas partir un peu plus tôt, oui. Là j'hésite même à partir maintenant. Ah oui d'accord. Bah je suis là depuis 15h. Hein. Oui bah... Oui. Hier, c'est qu'hier j'ai fait... J'ai fait 14h30, 15h jusqu'à minuit. Hein. J'ai fait de longues journées. Hier j'ai fait quoi moi? On était quel jour hier? On est quel jour aujourd'hui? Mardi. Mardi. Ah oui, je sais plus ce que j'ai fait hier. Moi, je suis arrivé tard. Ah oui, je suis arrivé tard. T'arrives vers 20, entre 20 et 21h. Un peu avant, non, t'arrives un peu avant 20h parce que j'avais mes soucis. Donc oui, t'arrives vers 10h30, je pense, un truc comme ça, 19h. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, toi? J'ai également transmis. Il y aurait une info sur le groupe. Et... Je suis bloqué parce qu'il s'est pas passé. Wow, calm down. Parce qu'il s'est passé ce soir, c'est-à-dire. Indiquer au mec le possédant. C'est l'info, ça, hein, son propre, je propose. Ne pas prendre l'intention de mettre. En gros, sur deal, il prend la minimale. Et c'est avec lui qu'il est, Holden, là? Non, c'est pas ça. Non, Holden, il fait. Quoique. Si, je sais pas, bah, il m'a dit qu'il était coincé en dépôt position. Si, bah si, il a dit que le titan était là et du coup que. Et du coup, bah il est avec là, je pense. D'accord. Bah, il a pas quitté le PDP depuis qu'il est arrivé, donc. Oui, bah oui, c'est super. Alors, j'ai un autre truc à lire, je reste ça après. Super! Bah, je vais aller voir comment ça se passe. Hein. Si tu veux te babarrer, je vais même pas promener. De toute façon, j'ai même pas promené ma radio. L'entretien d'embauche, tiens, oui, j'ai pas vu. Oui, il faudrait Coco, je suis effectivement. Ça serait sympa. C'est où ça? Il n'y a plus le lien de. Général. Quel lien? Le lien du document, les entretiens. Il est plus épinglé nulle part. Bah t'as caché, chercher. Dans le drive, c'est pas compliqué. Ouais, bah c'est pratique, épinglé à côté. Ah les flemmards quoi. Formation. Ministre RH. Demande d'embauche. Du coup, on est en février. Oui, on est le 14. Jesse White. Moi, j'ai voté tes points. Bonjour à ceux qui arrivent. Merci, Hachi, pour ton resub. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe ici? Je crois que ça fait bien 2 mois qu'on s'est pas vu, n'empêche, hein, quand j'y pense, là. Un bon petit 2 mois, bonjour à tous. Et coucou aussi, Pétrole Bébé. J'espère que tu vas bien. Et merci de m'avoir... permis de quitter le jeu rapidement hier. J'avais vraiment la flemme. Hop là. Mais ils sont là. Je suis bigleuse. Bah, il est tout seul.
Pardon. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes tout seul? Je suis avec le lieutenant Holden. Il est où? Il est au téléphone. Ah d'accord. Il m'a dit d'attendre ici. D'accord. Vous êtes allé bien? Ça va et vous? Écoutez, ça va, oui. En pleine forme, comme vous pouvez le voir. Bah oui, si vous êtes arrivé. Quelqu'un qui roulait très très vite en sens inverse et qui m'a faufauché apparemment. Ah. De ce que j'en sais. C'est pas agréable ça. Non, effectivement, ça allait pas trop. Enfin, c'est la vie. Enfin, vous marchez, c'est déjà ça. Oui, 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 bah, je suis en vie, c'était déjà ça. Ouais. Globalement. Ok, bah écoutez, si je vois pas où est-ce qu'il est au téléphone, mais je vais. Bah, je crois qu'il se balade. Ah oui, voilà, c'est ça, il te tourne en rond. Mais vous en étiez où dans votre déclaration? Oh, c'est un peu compliqué, je vais peut-être vous laisser voir avec. Hein. Ah, mais je sais de quoi ça parle, hein. Juste je voulais savoir vous en étiez où dans la longueur de la déposition. Il est au téléphone avec le procureur général. Ah oui, d'accord, ok. Ça marche. Et je suis au courant, oui, de ce qui se passe. Ok. Pas de soucis. Oui, je... C'est bien, monsieur. J'ai plus le nom. Aliti. Oui, c'est ça, merci. Bah oui, du coup, je sais. Ce qui ça a marche. Été convenu. Écoutez, je vous laisse pas patienter, je vais... Et vous êtes... Le commandant de Nash. Ah oui, d'accord, ouais. Je comprends. Oui, voilà, c'est ça l'idée. Après, Holden est actuellement co-commandant aussi. Ah, d'accord, mais si jamais. Je pensais qu'il était lieutenant. Ouais. Non, c'est celui que vous avez eu hier était lieutenant. Ouais, ouais. Voilà, bon, je vais vous laisser pas patienter, je vais tenter... Oui, merci. ...voir ce qu'il fait. Ah, mais il est là. Salut l'artiste. Salut. Ça va? C'était super de me marcher jusqu'au PPDP. Tu pouvais pas appeler qu'une unité vienne te récupérer? Non, c'est toi que je voulais. Ah bah oui, d'accord, ok, super. Mon contact d'urgence. Oui, oui, oui. Oui, bah, ton contact d'urgence, il a été appelé effectivement cette nuit, du coup. Oui, oui, bah oui, oui. Bah alors, on m'avait vite fait expliquer ce qui s'est pas passé, puisqu'apparemment tout le monde est au courant de ce qui s'est pas passé. Hein, donc, Comment ça, tout le monde est au courant? Bah, je sais pas, c'est Tolok qui m'a expliqué. Donc, d'où Tolok? Enfin, si, Tolok, il est au courant parce qu'il a pas parlé avec Matteo Ortega. Ah oui? Qui a... Seulement, t'étais pas toute seule hier soir? Je sais pas. Alors. Je crois que j'étais avec Stevenson, mais je suis même pas sûr, et il répond pas à mes messages, alors je sais pas. Oui, Stevenson a fini en fauteuil volant, du coup. Ah, super. Et là, il est en papatrouille, il répond pas à mes messages, ça m'agace. Ah bon, d'accord. Bah, moins que le dispatch, il soit pas à jour. Ah, c'est possible aussi, du coup, mais... Voilà, quoi. Non, et t'as essayé de passer par son Adam Partner? Bah non, bah ça fait 20 minutes que j'ai essayé de faire un tonton, ça serait peut-être un kikité, non? Oui, allô? Ah, t'étais en vie? Oui, ok. Commandant d'où? Bah écoute, que comme tu peux l'entendre, oui, je suis en vie aussi. Oui, super. Pardon, j'ai plus le temps de prendre... Bah oui, je m'en kikité, mais c'est pas grave. Bon, on en parle un peu plus tard, hein. On se reparle plus tard. Oui, oui. À bientôt. Petite question. Oui. Pour Tolok hier, comment c'était, vous, de votre côté, sur Lincoln? Bah, le début était pas fameux. Ouais. Et toi? Ok. Et toi, de ton côté? Quand il discute qu'il y a beaucoup de monde, compliqué, il n'entend pas très bien les CITREP. Oui. Sinon, 29 et 35. Un peu de mal à raccrocher sur les 31. Oui. Du coup, il n'y a personne pour lui agréer les CITREP. Ah oui. Et 39-18. Donc voilà, à peu près tout. Ok. Donc, je pense que je vais essayer de le prendre ce soir pour faire encore quelques sessions. Ok. Oui, ça peut être une bonne idée. Non, c'était juste pour voir avec vous si c'était plutôt, comment dire, si vous pensiez que vous pouvez le valider, mais s'il y a eu des ratés. Bah, il y a eu les mêmes ratés que toi, oui, donc vaut mieux le refaire, peut passer un coup et puis voir. Pas de soucis, et bah allez, je ferai ça. Sinon, j'aurais besoin que tu m'expliques ce qui s'est pas passé hier soir aussi, parce que je me rappelle pas, mais on verra un peu plus tard, du coup. Ah oui. On m'a expliqué vite fait, mais je veux bien ta version, quoi, parce que...
De ce que j'ai que compris, c'est sur Tetega, je suis à deux doigts de pas porter plainte, oui. Bah, j'allais vous demander la même chose. Si on... Voilà, bon, bah, on en reparle alors. Allez, bah, à plus tard. Katkar, merci oui, pour le raid. Ah oui. Parce qu'il nous a suivi. Enfin, il a fait quoi? Ah bah, il est venu au LSES, oui. Il était un peu désolé. Oui. Il parlait de se jeter par la fenêtre, du coup. Ah comme... Ah oui, quand même. Bah oui. Mais ça va pas. Alors, il roulait comme un con, il vous a renversé. Bah, il m'a dit qu'il était en sens inverse et qu'il roulait très très vite, oui. Voilà. Avec je sais plus quoi comme voiture. Une. Merde, il m'a dit un truc. RSX, je crois, un truc comme ça. Ouais, ah oui, c'est ça, RSX, il m'a dit, oui. Un truc qui roule fort. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il était au SES. Que du coup, je pense que. Voilà. Et puis, quand il a vu que j'étais là et que je suis arrivé, bah, il s'est dit, c'est peut-être mieux que je m'en aille. Parce que ça risque de pas. Ah. Ça va bien se passer pour moi. Oui, sûrement. Donc, je l'ai récupéré quand même, ceci dit. Puis, je lui ai dit qu'on en reparlerait sûrement demain. D'accord. Que je le convoquerai sur mon poste, oui. Mmh. Oui, ouais, Stevenson avait envie de porter plainte aussi, oui. Il avait l'air d'être ennuyé, alors... Ennuyé parce qu'il avait l'air d'avancer des gens, mais surtout parce que c'est deux officiers de police. Oui. Ah, on n'était pas en ce service, non. Non, ça, je... c'est bien. Enfin, voilà, quoi. Okay. Et l'essentiel s'étaille bien. Oui, ça roule là, je suis au top. Faut que j'aille au SES dans une dizaine de minutes. Les joueurs n'étaient pas en danger, mais que du coup, il était préférable que tu passes la nuit sur place, oui. Bah, je sais pas. Le médecin que j'ai eu, il m'a juste dit que j'avais eu un accident de voiture déjà. D'où mes questions, parce que j'ai pas sorti ma voiture, je me souviens pas l'avoir sorti. Bref. Ceci dit, en même temps, j'ai pas fait le déplacement pour rien, parce que au moment où je me déplaçais en SES pour toi, on a un message avec deux personnes, une blessée par balle et accessoirement une qui a dû avoir assez chaud. Assez chaud. T'es à poil ? Je pense qu'il a dû prendre feu surtout, oui. Ah ! Ah merde, mais c'est qui ? Deux types, enfin deux, non, pardon, pas deux types du coup. Le mec a une nana habillée en rouge, ouais. Les tenues de mécanicien rouge que portent les gens qui font les Mano Games. Ah Ah On fait une mauvaise rencontre hier soir, oui. Ah Et c'est. Ah oui. Super. Oui, comme tu dis, oui. Voilà. Tu retournes au LSEVA, ça, d'ici peu de temps, du coup ? Bah dans une dizaine de minutes, oui. Ça va, il y a pas loin, à pied, je vais y aller. Ok. J'ai dit quoi, là ? À pied. Ah oui, oui, d'accord. À pied, je vais y aller, c'est ça que t'as dit. Oui, oui, non, mais je me doutais bien que t'avais mis un peu de temps, là. Pourquoi tu me fais répéter comme ça, là ? C'était pas pour être sûr que t'étais bien qu'à capter ce que j'ai dit, oui. Que le l'antenne était bien encore dédéployé pour m'écouter. Eh ben écoute, si tu m'accordes 10 minutes, je finis avec le monsieur là, et après je vais... 10 minutes ? Alors ton temps hold on, c'est une heure, ça ? En temps hold on, oui, c'est 20 ou 30 minutes, ça. Oui, ça marche, j'attendrai. Ou pas. La preuve, hier soir, je t'ai dit que je revenais dans pas longtemps, et je suis revenu longtemps après. Mais manque de mal, t'étais déjà au SES. Ouais. Ah bah pas longtemps, je sais pas trop ce que c'est, pas longtemps. C'est pas une heure, pas longtemps. Et eh ben voilà, j'ai mis une heure, je suis revenu au bout d'une heure, oui. Mais non, c'est pas une heure, pas longtemps. Je veux dire, c'est pas... c'est pas un honoraire. C'est pas un horaire. C'est pas un timing de dire pas longtemps. Oui, d'accord. C'est pas facile de se comprendre, Jim. Oui, j'entends bien. Oui, moi aussi, j'entends bien. Bon, ouais. Si une heure, pour moi, c'est pas très longtemps. Ah oui, d'accord. Pour moi, c'est... Enfin, une heure, tu vois, t'as le temps de mourir, de te faire reverser par... Oui, je te fais confiance. Quelqu'un. Coup, ouais. Ouah, bah super. Moi, je devais pas te pour avoir des soucis. Du coup, à plus dans ça, oui. Oui, à tout de suite. Mais oui, il y a Holden, oui. Salut, Solverk.
Ça va? Je pense qu'il n'a plus aucun poil. Ah oui, à ce point-là. C'est étonnant qu'on n'ait pas de... En même temps, si c'est Holden qui s'en occupait, c'est logique qu'on n'ait pas de retour parce que il écrit jamais rien. Alors, je vais pas sortir le téléphone parce que la flemme. Par contre, je vais vous lire un truc. Alors, attendez, hop. Vous ne connaissez pas... Ok. On a des informations sur les Mano Games. C'était écrit où ça? Là-dedans. Sur le principe, Holden va bien, on dirait. Holden va très bien, oui. Holden se porte bien, il est content. Alors, j'ai quelque chose à vous lire. Puisque c'est un rapport. Que vous êtes des viewers assidus qui regardaient pas mal de live, qui suivaient pas mal d'histoires, je dirais. Donc sans vous donner les noms des personnes concernées, comme ça, ça évite le spoil aussi pour ceux qui ne se doutent de rien, je dirais. Et si vraiment vous voyez pas, bah peut-être qu'on verra pour négocier un nom. Il y a un agent qui, hier, est allé discuter avec un chef de groupe et son second. Je ne dirai pas si c'est un groupe majeur ou un groupe secondaire, on va dire. Mais il y a eu discussion. Rendez-vous dans un jardin, derrière une église, en plein centre de Los Santos, puisque c'était... je vais vous dire ça tout de suite. C'était là. Je sais que tu ne l'as pas à 4K, je suis au courant. C'est normal que tu l'aies pas, t'inquiète pas. Tu l'auras, mais tu l'auras pas là. 71-54, c'était. Une fois arrivé sur place, on entame la discussion. Remet dans le contexte pourquoi nous sommes ici ce soir, à savoir notre première discussion qui a amené celle-ci. Puis elle demande à s'il y a quelque chose à ajouter. Donc ils étaient deux, hein, trois avec l'agent. Sa réponse était qu'il ne s'attendait pas à ce genre de proposition et pourquoi. Je réponds comme je l'ai expliqué plusieurs fois. À la suite de mon explication, dit qu'ils ont la même vision des choses avec Cette dernière rebondit en proposant que ce soit tout son groupe qui sorte de la criminalité, ce à quoi j'ai répondu, c'est quelque chose d'envisageable sous certaines conditions, et dans quelle mesure on pourrait y arriver. Et bon, ça... Salut Lemb. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Skip, je me suis fait fauger. Ah merde. Et c'est con. Et ça va? Je suis en vie, c'est déjà pas mal. Allez, c'est vrai donc que je vais vous dire joyeux Saint-Valentin. Comment ? C'est vrai donc que je vais vous dire joyeux Saint-Valentin. Oui, merci, Lemb. Il y a autre chose à ton souhait ? Non, je passais juste dire bonjour. Ça marche. Pas de soucis, Lemb. Ouais, allez, je vous laisse. D'accord. Comment allez-vous, commandante? En vie. Ah. C'est bien. Je me suis fait faucher pour une voiture qui était apparemment très très rapide et en son sens inverse. Ah. Il peut passer la nuit sous son respirateur. Ah. Et c'est con. Joyeux anniversaire d'ailleurs, mais en retard. Oui, mais merci Magnus. C'est plus le jour, on ne souhaite plus mon anniversaire. Ah, j'ai faim. Ouais. Terrible, on a été coupé dans notre histoire. Ah bah, 26, il a dit. Comment ça, je suis full? Quoi? Ça, c'est les bouteilles de champ, hein, c'est sûr. Comment on fait? Une bouteille de champ? Est-ce que...
4-8, c'est pas mal. Je suis bonne. Faut que j'aille déposer les bouteilles de champ. Alors. Alors, s'il ne parle ou pas, sinon je vais continuer mon récit. Bien vu, cartouche. Voir les bouteilles. Petite bisonne. Vous savez très bien que ça va finir par déraper sans que je le veuille. Vous le savez très bien. Alors, je reprends la phrase. Cette dernière rebondit en proposant que ce soit tout son groupe qui sorte de la criminalité, ce à quoi j'ai répondu c'est quelque chose d'envisageable sous certaines conditions et dans quelle mesure on pourrait y arriver. J'ai évoqué les risques de notre rencontre actuelle et en général, puis la prudence requise sur de futurs rendez-vous. Mm-mm et mm-mm sont tout à fait d'accord, ils y ont pensé aussi. Ensuite, mm-mm continue au sujet des informations qu'on pourrait échanger. Je confirme le fait que selon le type d'informations, on fonctionnera dans les deux sens. Puis, je leur refais part de mon étonnement suite à ma proposition. Ce à quoi répond que oui, c'est un coup de poker qui a fonctionné, même si c'était pas très habile d'amener la chose de cette façon. Me demande si c'était un stratagème pour que je leur refile des informations. Je leur réponds que non, c'est de bonne intention. Continue en disant que ça comportera un risque pour eux et demandera un contrôle énorme des informations qu'ils fourniront. Je demande par la suite l'histoire de leur club pour que je puisse me situer. De leur club ou du moins de leur groupe. Mm-mm évoque le fait qu'il a été actionnaire, RH, qu'il a déjà eu certaines discussions avec des hauts gradés, comme quoi les Mm-mm n'ont pas vocation à devenir les plus riches ou plus puissants, mais qu'ils doivent subvenir à leurs besoins pour les besoins de leur groupe, et qu'ils sont tout à fait ouverts à la discussion. Ah ! Ah ! Allô ? Ah ! Ah bon, vous me recevez normalement, vous, ça marche, hein. Ah. Vous m'entendez, c'est déjà pas mal. Ah. Je regarde des fois que ce serait général, mais j'ai pas l'impression. Ah. Écoutez, je sais pas ce qui s'est passé. Ça arrive. Pas grave. Hop là. Non, c'est pas général. Bah écoutez, c'est pas bien grave. On y retourne. Ça doit continuer à se venger, mais non. mais non. J'en étais où, moi? Wow, calm down! Oui, mais il s'est respecté parce qu'il bonjour. Est correct. Il est correct. Ouais, il a... Ah, le A, c'était sur club. Pardon. Alors, j'ai dit club, c'est groupe gang. Hein. C'est pas, c'est juste le... Ah, je suis là. C'est juste le joueur qui a écrit. Il n'y a pas de spécificité à prendre là-dessus. Oui, allô. Et bonjour, commandant. Bonjour. Alors, petite question. Oui. Pourquoi vous avez appelé tout notre groupe hier soir? Oui. J'ai envoyé un message à Monsieur Vittori pour l'expliquer. C'est qu'en fait... Ah oui, il n'a pas passé. Bah, normal, je crois que de ce qu'on m'a dit, il n'est pas là ce soir et je lui ai répondu oui, après qu'il soit pas parti. En gros, je ne sais plus à quelle heure je vous ai appelé, mais dans ces eaux-là, il y a eu, des coups de feu qui ont été tirés aux alentours de votre quartier. Et du coup, bah, je voulais juste savoir si tout allait bien, si vous y avez quelque chose à annoncer de votre côté, des BBC, que sais-je, voilà quoi, venir aux nouvelles. D'accord, c'est pas nous, tout le monde dormait. J'ai bien vu que tout le monde dormait, il y a pas personne qui m'a répondu, mais je me dis, s'il y avait bien un mec, faut bien que je le trouve, donc j'ai appelé tout le monde. Bah oui, c'est ça, mais non, j'avais le temps. Il y avait personne. Voilà, bon. Donc c'est ça, au moins vous avez l'explication. Oui, maintenant on a l'explication, oui, parce que bon, quand il y a la commandante qui appelle tout un grand, on se pose des questions. Je viens aux nouvelles, il y a pas de panique. Non, on n'a pas fait de conneries, jamais. Bon, jamais de la vie. Bah voilà, vous n'avez pas fait de conneries, vous n'avez rien à vous reprocher. Non, c'est pour ça que je vous rappelle, hein. Sinon on vous aurait laissé en vue. Magnifique. Ça fait mal en plus. De me laisser en vue, j'ai l'habitude. Hein, Ah, vous... Mais non, quand même. Ah, si, bah, j'en ai vu beaucoup. C'est pour ça, vos collègues.
Bah, mes collègues, non, mais vous êtes pas les seuls cas criminels que j'appelle. Ah, ouais, je me doute. Ah, oui, c'est logique. Mais... C'est vrai. Bref, voilà. Et, oh, oui, avez... en fait, oui. Ah, si, j'ai vu passer un bandeau. Bon anniversaire, c'est un peu retard, mais. Ah, oui, merci, mais c'est plus le jour. Oui, bah écoutez, j'étais pas là le jour. Et bah, oui, bah j'ai oublié. C'est plus le jour. Et passez une bonne soirée. Hein. Et bah, bonne soirée, merci. Du coup, je disais quoi alors, merci, petite bisonne et cartouche pour vos ICP. Merci beaucoup. Commandant. Oui. Vous avez vu le dernier truc, Michel Mouz? On n'a pas promis de communiquer qu'il y ait de presse, on leur a dit qu'on viendrait vers eux pour leur donner une réponse. On va faire un petit communiqué un peu plus piquant puisque il cherche un peu la merde avec tout le monde le Weasel. Hop là. Jordan. Merci de m'avoir pas venu. Pas de soucis, oui. Hop, salut Pouic. J'en étais où? Oui, donc si je disais l'agent a écrit club, mais comme il aurait pu écrire groupe, gang, organisation criminelle, peu importe. Voilà, puisqu'après il a écrit gang, je crois, d'après. Voilà, donc pas de conclusion hâtive sur ce que je suis en train de lire. J'en étais où? Ah oui, qui seront pas les... Le truc c'était à faire pouf, oui, tout à fait. Pas de conclusion hâtive. Ils sont tout à fait ouverts à la discussion pour n'importe quoi à partir du moment où ça se fait dans le respect. Super. Après ça, parle de la création du groupe. Précise que a repris le poste de chef à une date que je vais pas vous donner, ça serait trop facile. Et a nommé second du groupe. Et ajoute à ça qu'elle lui... À ça qui lui tient à cœur que pour que tout se passe bien. Pourquoi j'ai bégayé là-dessus? L'équilibre doit être respecté, auquel cas ils seront amenés à devoir le rétablir, mais seulement en réponse à quelque chose comme notamment un excès de zèle, par exemple. Nous avons ensuite été dérangés 5 minutes par une intervention dans la rue derrière. Ça, c'est ma faute. Donc il y en a un qui est allé voir, en gros, il explique, il y en a un qui a été voir ce qui se passait. C'est un peu ma faute. C'est un peu ma faute parce qu'il y avait un bouchon. Et du coup, j'ai demandé, moi j'étais en banalisé état-major pour être sûr que tout se passe bien, que l'agent se fasse pas tirer dessus, ce genre de choses. Du coup, je pouvais pas y aller, c'était un peu cramé. Donc j'ai dit à des agents d'y aller, ils ont mis 20 minutes à enlever le bouchon. Oui, je suis taquin, j'arrête de bégayer. Donc ils vont voir ce qui se passe. Ils lui ont dit de se cacher dans un buisson le temps que l'intervention soit terminée. Ils ont été voir que c'était bon. Il explique que ce sont... Putain, mais pourquoi je bégayais, c'est fou ça. Il explique que son groupe a plus une vocation... comment je pourrais dire ça? Démocrate? J'essaie de traduire un peu ce qui est écrit. Contrairement par exemple à la Mano où c'est le chef qui décide et il demande pas forcément l'avis des autres. Puis il vient à dire que avoir certains numéros de haut gradé ça aide dans la discussion et ça évite les malentendus. Voilà, et que ça évite aussi les tensions. Ça fait bip. Qu'est-ce qui bip? On s'en fout. Je réponds que je suis pas spécialement au courant de... Ah oui, parce qu'ils ont dit qu'il y avait des tensions, notamment avec le lieutenant Fordon. Tiens. Solberg. Allô, Solberg, t'es là? Ça me termine, j'en ai marre. J'en ai plein le cul. Je réponds que je suis pas spécialement au courant de ces histoires, mais que j'étais d'accord sur le fait que l'échange était quelque chose d'important.
Nous finissons la conversation. Mm-mm me donne son numéro en précisant qu'on peut se recontacter uniquement par appel pour trouver un arrangement sur des infos ou pour un petit service. Et enfin, je quitte les lieux du rendez-vous en premier et je recontacte la commandante Nash pour lui signaler la fin du rendez-vous. Voilà. Quel groupe n'a pas de problème avec lui? On est bien d'accord, 4K. Et 4K, en fait, j'ai réfléchi, mais si techniquement t'es au courant, t'es juste pas au courant de l'entrevue d'hier. Mais pour une raison qui s'explique. Et qui sera sûrement expliqué à Jordan si ça doit aller plus loin. Sinon, bah, on laissera tomber, je pense. Je sais pas. Je vais remettre ma radio. Bah si, il veut revenir si vite. Déjà, pas de bise. Sinon, ils sont morts. Ouais. Bon, en même temps, ils sont pas morts, quoi qu'il arrive. Hop. C'est où les radios? Là. J'ai trop de canaux si vous saviez. Vous le savez déjà, mais je vous le dis, il y a trop de canaux. Je vais tout supprimer. Ça va bien les calmer. Hop là. Les démocrates, ils ont voté Joe, ça veut dire. Sûrement. Faut déménager à Vespucci, il y a trop de canaux à Vespucci. Enfin non, c'est un peu le Ryanovic du LSPD. Tous les groupes le haient. Bonjour le parpaing qui se réveille. Vous êtes fantastique, vous avez vraiment des pseudos incroyables. Je tenais à vous le dire. Salut. Salut Joe le parpaing. Voilà, maintenant vous avez le droit de faire vos... Oh bah... Et qu'est-ce qui se passe? Les 04, c'est toi et du tout, il a pas réussi à choper les chaînes. Et bah vous allez où les SES, mes grands? Les 17, par contre, faut que j'arrive à descendre du tout, ça me casse la gueule, oui. Oh putain. On vous fera une formation. Non mais vraiment. Quel philo, c'est Michel, c'est vrai, hein, ça touche tout le monde, hein, le cercle, le LSPD. Qui d'autre ensuite? Qui d'autre? Je vous pose la question, qui d'autre? Pardon, je mange un peu écrit en même temps. Paul Marc, je pense pas qu'il était si détesté que ça. Hein. Ah, le SES aussi. Bien vu, Calomara. Elle est validée. Bravo. J'aimerais des applaudissements pendant le chat pour la blague de Calomara, s'il vous plaît. Elle est validée. Bien joué. Bien joué à tous. Monsieur Forbon, c'est mon champion. Ah ! Écoute, le chat te récompense. Enfin, te dit bravo, Calomara. Bien joué. Hop là ! Une petite pause boisson. Alors j'ai fini de lire ça. De toute façon, ça s'appelle rapport. Mm-mm. Déjà, il y a un nom, le nom du groupe dans le rapport. À tout moment, je me trompe de scène et je vous montre le rapport. Je pense qu'il n'y arrivera pas. Cela dit, Nash et Holden vont forcément en parler. Donc il n'y a plus qu'à attendre que Nash et Holden en parlent, puisque Holden, je ne suis pas sûr qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent. Ils s'en tapent. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Techniquement, on est déjà censé être au LSES. Après, il m'a dit « Donne-moi 30 minutes. » Qu'est-ce qu'on fait? Alors... Faut que j'aille voir la gueule de la Shafter BE. Je suis assez d'accord, Pétrole VV. Ça serait vachement stylé que vous ayez des... Des barres de pole dance. Ah oui, c'est vrai, je peux pas courir. Qu'est-ce que c'est long. C'est long. Je donnerai pas de...
d'indices supplémentaires sur le groupe dont je vous ai parlé. Je vous présente la B, la shaft. Alors, canal BE, hop. C'est validé. Hop. Ah, les cons. Mais oui, c'est la meilleure idée qui soit. Oh, dis donc, ça a pas fait le photo noir, trop bien. Incroyable. Alors, si je m'attendais à ça... Le rappeler. C'est vraiment des génies quand même. Une shafter de malade, on peut dire. Vraiment une super shafter. Yep, t'avais mise comme ça une fois, je me souviens pas. Immersion d'un groupe de PM, c'est malin. C'est malin. Ils vont tous les prendre pour les déglingos, là, les débilos mentos. Les malades mentos, pardon. ça, c'est des retours, on s'en fout. Hop. À 3 km en approche de sud. Ils font chier, Wesel. Va falloir que je trouve le bon angle pour leur répondre d'aller se faire foutre. Je veux pas un des groupes majeurs revenir civil, mais dans les mineurs. Incompris. Mais je vous dis que c'est des génies, mais qu'ils soient incompris ou pas, on s'en fout. C'est des génies, c'est tout. Leclerc, il est descendu officier 2, comme l'ont fait Ephiro et Bazan. Bazan qui a démissionné dans la foulée. Salut! Et bonjour pour d'autres. Ephiro qui a démissionné dans la foulée. Alors Bazan n'a pas attendu la sentence. Il s'est passé... Dessus. Bonjour shérif. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais attendre devant la fenêtre. Je vais faire la mordiante un peu. Il s'est passé, c'était début janvier. Je vais dire une rébellion de la part de l'état-major qui était présent. Avec le capitaine compris dedans. Donc ça faisait Bazan, Ephiro et Leclerc. Qui, durant une conversation, du moins une réunion état-major, ont fait le procès un petit peu de Nash, de ses actes, de ses choix de direction, on va dire, OLSPD, en parlant notamment d'une période où eux n'étaient pas présents. Ils ont décidé de se léguer contre Nash et contre Jourdain, d'ailleurs, au passage, en disant que, de toute façon, globalement, ils voyaient plutôt Nash commissaire et commandant Jourdain, parce que c'était Nash qui prenait toutes les décisions et qui finalement, comment dire, Jourdain était le pantin de Nash, hein. En tout cas c'est à peu près comme ça que ça a été dit, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris. C'est une réunion qui a été assez difficile à vivre, sincèrement, même moi en tant que joueuse, hein, pour le coup, moi je l'ai vraiment pas bien vécu du tout. Ça faisait suite à, je dirais, 2 semaines de RP état-major où j'étais un peu solo, du moins j'étais solo sur mes horaires et après j'avais pas spécialement l'impression qu'il y avait d'autres états-majors qui prenaient leur service. Pourtant il y avait, je sais que Leclerc venait de temps en temps et Bazan aussi, mais c'était pas tous les jours, c'était pas sur des horaires entre guillemets tendus, c'était souvent après, une fois que tout était passé, du moins c'est ce dont je me rappelle, et si ça se trouve je raconte que de la merde.
Mais moi, je l'ai vécu comme ça. Et du coup, c'est vrai que ça a été assez difficile à vivre et à jouer, du coup. Et de là, Nash s'est confié notamment à Billups, puisque durant la réunion, elle lui a expliqué que c'était, elle était en train de vivre son procès. Donc il s'en est un peu mêlé. Il en a parlé à O'Brien, qui s'en est lui aussi un peu mêlé, qui a largement poussé Jordan, parce que Jordan était au bout du rouleau, à prendre une décision, à nommer quelqu'un, à virer les autres. On ne pouvait pas les virer comme ça, on est forcément obligé de trouver des solutions. Donc puisqu'on ne pouvait pas les virer comme ça et leur mettre des blâmes ou ainsi de suite, comme on voulait, il a été décidé qu'on allait les prendre un par un dans le bureau pour connaître leur point de vue. Salut Svernovski, espèce de gros gros con. Pardon. Je t'aime mais je te déteste aussi. Je finis mon histoire. Et donc, c'est mérité. Et pardon. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé par prendre Bazan dans le bureau pour lui parler, pour avoir son avis. Il a expliqué que Efiro, effectivement, il avait peut-être été un peu fort, qu'ils étaient d'accord sur l'idée, mais que ça n'a pas été fait de la bonne manière. Et il a démissionné dans la foulée parce qu'il n'avait pas envie d'attendre sa sentence. Et il a expliqué qu'il était en bout de course et qu'en fait, il n'aurait pas dû accepter le poste de capitaine. Voilà. Donc il est parti. Il a démissionné là-dessus. Il a quitté l'île une semaine après, je crois. En allant d'ailleurs s'excuser auprès de Nash, il lui envoyait un message pour lui demander si elle pouvait passer chez lui. Voilà, donc ils se sont excusés et puis bah, il est parti sans être. Enfin, ils se sont. Oui, Bazan s'est excusé surtout. Il est parti sans être broyé avec Nash, je dirais. Ensuite, on a vu Efiro qui a expliqué. Alors, est-ce qu'on a vu Leclerc ou Efiro en premier? Je ne me souviens plus. Mais, vision des choses expliquée. oui, je suis d'accord, effectivement, la manière de faire, c'était pas la bonne, a dit Efiro. Mais en même temps, il fallait un peu bouger, machin. Et c'est les entretiens sont faits notamment avec Holden, enfin, surtout avec Holden, Jordan quand il est là, et moi concernant Efiro, parce qu'il m'en a quand même mis plein la gueule. Donc ça, il explique à Holden que quand il a vu justement qu'il avait été nommé commandant, il savait que ses jours étaient comptés dans l'état-major. Holden a dit pas forcément. Si, si. Holden le mytho ! Pardon. Pardon. Et du coup, on l'a laissé partir là-dessus. On a parlé avec Leclerc, mais je crois que Leclerc a été le premier à qui on a parlé, en fait. J'ai un doute. Mais bref, c'est pas très important, l'ordre. Mais voilà, on a aussi parlé avec Leclerc, qui lui aussi a expliqué son point de vue. A dit qu'effectivement, c'était pas la bonne manière de faire, que c'était un peu de la merde, tout ça, machin. Bref, tout le monde a un peu retourné sa veste en mode « Oui, oui, on a dit tout ça, mais en même temps, on le pensait pas vraiment. Si, on le pensait, mais voilà, on voulait pas être trop méchant. » Alors qu'il... Enfin, moi, pour ceux qui étaient un peu sur le live de... Il y avait celui de Leclerc, donc Nodzi, et celui de 4 quarts, Jordan. Moi, j'étais en pleurs, et c'était pas juste Nash qui pleurait, c'était aussi moi derrière. C'est exactement ça, c'est l'effet de groupe. Donc, au final, on les a vus tous les trois, et on a décidé qu'il fallait les redescendre off 2. Donc, Bazan était déjà parti, il en restait deux. Les deux ont été redescendus. Quand on a annoncé à Efiro, il a dit « Bah, dans ce cas-là, je vous présente ma démission sur le champ. » Leclerc a dit, j'attends de voir, de voir si le BE tourne, je donne mes derniers conseils et je m'en vais, d'ici une semaine. Et au final, il a pris une longue pause. Je pense que Nodi aussi avait besoin de prendre du recul sur tout ça, sans parler du perso. Et bon, voilà, il est encore avec nous. Donc voilà, je sais pas si ça va durer. Oui, tout à fait, Lilig. Tout à fait. On en avait parlé avec 4K. Donc je sais. Voilà. Vous savez tout. Donc Leclerc est actuellement off 2. Il devait partir une semaine après. Au final, un mois après, il est toujours là. On ne sait pas pour combien de temps. Mais c'est appréciable en fait qu'il soit resté et qu'il n'ait pas rage quit. Alors bonsoir, oui. Vous savez tout. Oui. On peut aller au SOS, s'il vous plaît, commandant Holden. Alors, malheureusement, non, j'ai que je ne puisse pas t'aider du coup. Ah oui, t'es toujours. Ah, je t'attendais, allez, tu me m'as dit une de demi-heure. Non mais sans deck. Bah oui. Et moi je suis là, je peux patiente, je suis gentille, je vous observe à travers la vitre. Et toi t'allais me dire, mais je peux pas y aller avec toi. C'est pas cool. Oh bébou.
pas cool, Jim. C'est vraiment pas cool. Qu'il est con. Ça va, c'est bon. 07 et 28, formule de dame, direction LSOS. Je suis pas en ce service, hein. Comment ? Je suis pas en ce service, j'ai toutes mes affaires, mais je peux patienter, quoi. J'ai compris, ouais. Ah ouais, d'accord. Vu que tu faisais pas de colle, j'ai bien compris qu'il fallait que j'en fasse un. Oui, oui, je suis pas en ce service, je suis blessé. Aïe. Je suis blessé physiquement, et je suis blessé parce que t'as failli me laisser comme ça, comme une pauvre chaussette. Sale. Blessé. Sale en plus, tu crois. Je suis pas en train à ma maison, j'ai de dormir le SOS, je pue. Ah oui, oui, mais toujours plus. Toi. Bah quoi ? J'ai beaucoup trop travaillé hier, j'ai sué. Hey. Non, je t'accompagne, je te tiens. T'as dit quoi ? Si je t'accompagne, je te tiens la main, comment ça se passe ? Ah bah oui, oui, volontiers, oui, tiens-moi la main, y'a pas de problème. Tu feras pas de jaloux, il est pas là. Non mais sinon, trêve de plaisanterie, je demande à te, ce qu'on vient de te récupérer. Ah oui, tu peux vraiment pas rester 5 minutes avec moi, c'est chaud. Ah bonjour. Bonjour. Je reviens, comme pas prévu, pour faire des trucs. Je vais prendre juste votre dossier. Oui, pas de soucis. Vous m'aviez dit une heure. Allô ? Comme l'impression qu'on a été coupé, chat. Pour une raison que j'ignore d'ailleurs. Du coup, je vais vous aider à retirer vos chaussures ainsi que votre pantalon. Hop là. Vraiment, le pantalon, c'est une tare, hein, le lever. Ia ! Hop là. Hop là. Et vous allez pouvoir vous allonger sur le tableau. Hop là, je règle la machine. Et si jamais vous avez besoin, moi je suis juste dans le couloir, n'hésitez pas. Ça marche. Ça a toussé, mais c'est relin. Oui, c'est pété. Ce fut pété. C'est plus pété. Tout va bien. Nous sommes en vie. Oh, vraiment, là ? Il m'attend même pas. C'est honteux. J'avais une question à lui poser en plus à Holden, moi. Et du coup, me revoilà. Oui. Je vais pouvoir procéder au retrait de votre attelle. Champion du monde. Votre fracture s'est bien remise correctement. Ok. Hop là, je desserre, voilà. Et voilà. Et du coup, vous allez pouvoir vous relever, s'il vous plaît. Super. Du coup, maintenant, je vais pouvoir vous autoriser à courir et sauter. Eh ben, c'est super, j'attends que ça de courir et de se sauter, putain. J'adore courir. Du coup, je vous raccompagne. Ça marche. Je vais expliquer après ce qui s'est passé. Je pense qu'il est parti par là, mais... Oui, d'accord. Alors, voilà, je vous souhaite une bonne journée. Eh ben, c'est moi qui vous souhaite une bonne journée, je vous remercie. Et bon courage, du coup. Eh ben, merci, au revoir. Au revoir.
Oui. Tu reviens après? Oui, tout à l'heure, ouais. Ah bon? Tout à l'heure minuit? Quand je me serais fait faufaucher ou avant? Tout à l'heure, dans une heure. D'accord, parce que faut qu'on réfléchisse à ce qu'on répond au Wazel, là, et qu'on commence à me cacasser les couilles. Oui. Oui, ceci dit, je vous ai dit hein, qu'on avait. Enfin, je vous avais pas venu, que j'avais botté en touche et qu'on avait dit qu'on revenait vers eux le lendemain. Ah oui, mais je sais, oui, et j'ai aussi peu prévenu Jordan parce que j'avais reçu un message de Max Price. Voilà quoi, j'attendais ce qu'ils nous disent. Yes. Oui, bref, à bientôt. Hein. Moi, je fais une fin de service et je reviens tout à l'heure. Mais voilà. Oui, maintenant que je suis sorti et que je dois rentrer. Essaye de pas te ramasser la gueule ou de faire. Je vais devoir rentrer très à pied puisque t'es pas parti. Rentrer à pied. Bah, où est-ce pupidi, puisque t'es pas parti. Mais... Tu m'as mal laissé. Il y a 4 et 11 à récupérer aussi. Sous la pluie. On va faire un bus et puis c'est tout, t'as compris? Il peut plus. Je vais te devoir rentrer. Je vais te toute mouiller. T'as entendu ce que encore dire, plus, hein. Puis le chéchien mouillé. Et t'as entendu ce que je veux lâcheur. Vous voulez, Il y a 7 et 11 qui sont avec toi au LSES. Donc, on va faire un bus pour vous ramener. Mais c'est pas 7, c'est toi, tour du cul. J'ai dit, ah oui, non, c'est 4 et 11. Hein, Bah oui. Bon, ouais, ça va, ça suffit maintenant. C'est ça, lâcheur. Bon, je te laisse piloter les éclopés du LSES, du coup. Bah, j'ai pas de voiture. Non, mais puis, je fais comment pour piloter si j'ai pas de voiture? Du coup, ordonne la sortie. T'aurais pu nous laisser de voiture et toi rentrer à pied que de nous laisser comme des chiens de dehors sous la pluie. La centrale est toute seule au poste, donc il viendra vous récupérer. Ouais, super. À moins que d'ici là, il y a encore d'autres unités qui se blessent. Du coup, auquel cas, on prendra le bus carrément du pénitencier pour vous récupérer. Oui. Je pense pas qu'il passe en dessous. Puis on fermera le LSPD 2. Ah oui, bah ça me paraît bien hein, de faire fermer le LSPD. On se formera en service de déséclopé, du coup. Oui. Ouais. Rigole tant que tu peux. Tant que j'ai des dents, ok, ça va. Ouais, c'est ça. Bon, allez, bisous à ta lèvre, fais attention à toi. Bisous. Ensuite, elle va 25, vous pouvez pourrir à me mener une voiture à les SOS, s'il vous plaît. Ça va et vous? Mais très bien. Je viens de rendre mon macan de quoi coin coin là. Ah oui, ça va mieux. Ouais. Bah, tant mieux. Mais j'ai des agents qui savent pas descendre les échelles sans se casser la gueule du coup. Oui. J'avais aussi des médecins à l'époque comme ça, oui. Je me rappelle d'un qui a fait. Ça va aller pour descendre l'échelle, t'inquiète. 5 minutes plus tard, je l'ai récupéré. Yes. Mais oui. Ouais, j'aurais bien voulu vous apporter les pizzas moi-même hier, mais j'étais trop... Ah non, mais c'est pas grave, ça m'a beaucoup fait rire. Je vous avoue que ma collègue, elle a humidité, j'ai fait « Ah oui, plein de pizzas !» Alors, par contre, j'ai un sous-souci, c'est qu'actuellement, j'ai des problèmes pour rentrer chez moi. Là, la clé, elle est un peu pépétée. Du coup, j'ai 5 bouteilles de champagne sur moi, puisque je peux pas les laisser au SPPD, faut pas déconner. Et c'est un peu lourd. En plus de mon matériel, vous voyez. Donc, ah oui. Je pas vous pouvez vraiment pas rentrer chez vous. Non, je peux pas. Ma clé est pépétée, le serrurier galère. D'accord. Ah bah, j'espère que ça va être résolu. Bah, j'aimerais bien que ça soit résolu, mais ça fait 4-5 jours. Je proposerais bien de les stocker à la mairie en attendant, mais. Bah, c'est vous qui vous voyez. Après, est-ce que je vais pas penser à les récupérer? C'est pas dit. C'est un autre débat, oui. Ça, c'est un autre problème. Voilà. Je pourrais vous faire un rappel hebdomadaire. Non, mais je vais les offrir au prochain agent à qui ce sera son anniversaire. Je vais regarder toutes les dates. Le cadeau piégé. Bah non, c'est pas un cadeau piégé si eux ils ont pas de soucis avec leur serrure. C'est vrai. Vu comme ça. Oui. Regardez, il y a 2 champions là. Ah, Stevenson, tu veux pas des bouteilles de champagne? Pourquoi? Je peux pas rentrer chez moi et c'est très lourd dans mes poches. Sinon, on fait un crochet rapidos chez vous. Non, mais t'as pas compris. Mais les clés de chez moi, elles se sont pétées et le serrurier ne peut pas. Ça fait 4-5 jours que ça m'a. Oui. Ah, bien, d'autres champions. Oh, vraiment? Mais putain. Un champion avec une championne, c'est parfait. Oh putain de merde. Si, je peux les stocker chez moi, chez vous, si vous voulez, oui. Et puis je vous les redonnerai quand vous pourrez rentrer chez vous. Ah, bah, volontiers. Tiens. C'est vraiment lourd. Merci, merci. Non, mais on va faire un crochet chez toi, du coup. De toute façon, on va falloir qu'on te dépose des coclopés. Le
les barres des échelles à la con. Mais pourquoi vous me montez sur les toits aussi? Confidence, on a du cognac à la mairie. Mais pour voir ce qui se passe sur la plage. Vous avez pas assez d'outils à votre disposition, faut que vous grimpiez sur les toits. Bah oui. Aïe aïe aïe. Je crache quand je rentre dans la maison. Allez, toi. Très belle vue sur le toit, oui. Après, ah bah, très belle vue, oui. Très belle vue sur un mec en faux fauteuil, là. Moi, actuellement, c'est ce que j'ai. Hein. Ah, c'est pas faux. Ouais. C'est pas mal à main, c'était pour aller histoire. Manger vos céréales. Quoi? Vous n'étiez pas parti manger des céréales sur un toit? Ah non, il partait pas planqué. Ah bah, parfait. Oui, parce que oui, j'en connais, c'était juste pour des céréales. Hein. Ah oui, non, bah non, non. Combien de temps? Une heure, ça va. Oui, c'est bon que j'avais un GPB, oui. Ah, vous avez des... Ah oui. Oui, ça, on a des GPB. On a des GPB plus, oui. Je me pose des questions des fois sur les GPB. Donc, oui, non, mais ça te protège le torse, pas les jambes, si t'es tombé sur les jambes. Oui, non, mais t'inquiète, tout va bien. Ah oui, c'est particulier. Après, si vous insérez des airbags dans les GPB... Même pas sûr de l'idée. Mais c'est que le deuxième, ça va être la même, il va être en fauteuil roulant aussi, non? Je sais pas, il était torse nu, qu'est-ce qui lui a pris de se foutre à Walp, peut-être déjà, là? Oui, c'est un de vos agents? Oui, oui, tout à fait, mais qu'est-ce qu'il faut foutre à poil? Je vais lui proposer la question. Torse nu ici, c'est pas des agents de police, oui. Comment ça, c'est qui? Ah bah, tout type de gens, mais rarement des agents de police. D'accord. Et alors vous, qu'est-ce qui vous amène, madame la mère? Ah bah moi, je venais juste faire mon don du sang, je vous étais pas, je vous souhaitais un bon anniversaire. Ok, ça marche. C'est gentil. Merci. Voilà. Et puis, bon courage pour le service, oui. J'espère que tout se passe bien, à part les chutes de toit et... Oh oui, bah voyez, on les est accidents. Inquiété par beaucoup de choses, là, oui. Non, mais on va lui mettre Ijiro sur son... Bisous, Hachi, bonne route et merci de passer. Cœur avec lui. Sur les sujets comme ça, quoi. Ah, une vie absolument folle, oui. Madame la mère... Bonne soirée, en tout cas. Remettez-vous bien. Ouais, merci beaucoup. Je vous parle d'un truc. Oui. Je vous sous-souffle une idée que comme ça, parce que c'est ce qui se faisait aussi. Sans... comment je pourrais dire ça? Sans... attendez, parce que là, je vais être violente dans les propos et c'est pas qu'au compte de vous. Sans venir nous casser les couilles, pour rien, vous avez largement le droit de dire que vous voulez pas passer au PPDP, histoire de voir comment ça se passe et prendre des nouvelles. Comme vous pourriez le faire ça. Bien sûr. C'est même souvent à peu près. Bon, là, on n'a pas trop de monde dans ce service, donc vous allez pas avoir grand monde, mais globalement, ça reste à peu près. Vous pouvez prévenir avant que vous allez pas passer. Et puis voilà, prendre des nouvelles, quoi. Ça se faisait beaucoup avant. Ça se fait de moins en moins, sauf avec la mairie d'avant, qui très sincèrement, et entre vous et moi, nous cassait les couilles. Mais d'une force assez considérable. C'est pour ça que je vous ai dit ça. Vous avez le droit de pas passer. Mais voilà. Mais je dis rien sur la mairie d'avant. Je pense que vous savez très bien ce que j'en pense. Voilà. Je vous souffle l'idée que comme ça, parce que je sais que c'est à peu près ici et que... trouve très sympathique. Bah, c'est noté, c'est plus que, enfin, moi, je, voilà, par rapport à ce que faisait la mairie d'avant, je sais très bien ce que c'est que d'avoir une mairie qui passe dans des locaux de service public. On a l'impression d'être fliqué, et c'est clairement pas l'impression que j'ai envie de renvoyer auprès du ASPD. Non, mais après, l'ASPD, je sais que je peux passer parce que c'est des collègues, etc. Mais... Une fois tous les deux, trois jours, par exemple, ça suffit. Enfin, quand vous avez le temps, puis l'envie aussi. Enfin, faut voir aussi s'il y a du monde pour avec plaisir. Hein. Voir. Puis c'est hyper. Hyper rapide, quoi. Souvent, c'est bonjour, comment ça va, est-ce que ces services ne passent bien? Bon, voilà, quoi. Bon, souvent, les autres mémairies avaient un truc du style, est-ce que vous avez des choses à remonter? Mais on... Non, mais ça, c'est voilà, à l'état-major remonter. Bah, oui, on est bien d'accord. Mais ouais, s'il y a des choses à remonter, je vous appelle vous, monsieur. Pourquoi il fait la toutoupie? C'est Jarod, cherchez pas. C'est Jarod comment? Jarod aussi, manifestement. Oui, Ox, ah, oui. D'accord. Mais oui, non, bah, pas de soucis, j'y penserai. Après, ce qui me manque en ce moment en semaine, c'est le temps. Bien sûr, bien sûr. La fin de semaine, je devrais l'avoir. Donc, je vous souffle l'idée que comme ça. Du temps et des conseillers. La mairie recrute. Ah oui, bah, je peux pas être au fourré au moumou, là. Puis la politique, je sais. Mais voilà, au moins, vous avez l'idée entre vos mains.
non, mais c'est notre. Puis je fais un petit, en gros, quand je passe, je fais un petit message à l'entreprise avant, quoi. Et... Ouais, ouais, voilà. Vous voyez s'il y a à peu près un EM de disponible pour. Quoi que message en entreprise, c'est mieux, comme ça tout le monde le voit, et ceux qui veulent passer dire bonjour, okay. Bah, ils peuvent, s'ils ont le temps aussi, bien sûr. Ouais, puis après, je sonne à la gueule. Ok. Voilà, bon, bah, je vais ramener les décoclopés chez moi, idée. Du coup. Merci, et puis bonne soirée. Et bonne soirée également, bon courage. Merci. Allez, viens pas par là, toi. Oui. Bah, oui. Hop là. Merci, oui. Il est tombé sur le dos. Non, c'est moi qui suis tombé sur le dos. Ah, attention. Hop là. Spécialiste du fauteuil roulant. Hop, dis bonjour. Oui. Voilà, oh. Et hop là. Ah merde. Je suis con. Hop là. Ouais, c'est inversion. Allez, hop là. T'as dit bonjour à toi. Oui. Je suis con quand je m'y mets aussi. Hop là! Allez, vas-y, descends, appuie ça. Bah, de ce qu'on m'en a dit, pétrole VB, oui, donc j'ai obéi et je fais. Voilà. Après, j'ai jamais vérifié. Pour moi, non, mais on m'a souvent dit ceinture, oui. Oui, mettez votre ceinture, soyez pas bête. Vous savez quoi? Je vais même. Hop, la terre, 50 km/h, voilà. On est sûr. Ah oui, d'accord. Pas de blessé. Ah mais fais gaffe, les intersexués à 50, c'est dangereux, oui. Bah, les intersections à pied, globalement, c'est de dangereux. Hein. Ah, et c'est pas faux. Mm-mm. Ah oui, comme un chauffeur, oui. Oui, de ce que j'en ai compris, effectivement. Après, commandant, si je peux me permettre, on nous a tapé par la droite alors que c'était une route à sens unique. Hein. Oui, c'est ce que m'a dit monsieur Ortega, c'est marrant parce qu'il m'a vraiment tout dit, comme si ça se sentait pas à ce que je peux porter plainte, oui. Il vaut tout tellement con. Oui, d'accord, je le pensais con, mais pas aussi con, oui. C'est la vie qui cuit, hein. Bah, oui. Là, il y avait une bobosse, t'as eu mal? Oui. Il a pas peur rouler assez lentement. Ah, ça va, si c'est non, pas. Mais... C'est honteux, oui, Stevenson. Hop. Bah, attendez, il remet le shifter. Non, mais. C'est bon, sur la bosse. hop là. Oh là 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 là. Non, mais. Ça va, 10 mètres, c'est encore trop. Non, mais... Avance, mais putain, qu'on descende de là. C'est bon, ça va bien. Il faut que je suis plus rapide en fauteuil, oui. Allez, putain, le bébé, c'est très drôle comme phrase. Allez, hop, viens pas par là, on va se promener. Allons-y. Qu'est-ce qu'il a dit quoi? Avec les deux blessés, la commandante. Ta faut qu'on aille où? Je sais pas. D'accord, mais on fait le tour. C'est une bonne question, ouais. Poussez-vous, laissez pas passer les queues clopées. Hop là. Merci. Bon bah voilà, on est comme des décons. Y'a qui sur le terrain, les champions là? Bah personne, on est tous là. Ouais. Ah super, et du coup on se saute la touche, on fait quoi? Ah non. Non, ça va, suffit de manger, oui. Ah des... oui, c'est super ça. Ouais, quand vous voulez, j'y vais. Tu vas où? Juste un équipier. Ah.
Qui c'est qui va pas manger? Le problème c'est qu'avec deux blessés, vous appliquez donc. Bah, moi je vais pas manger, mais oui. Oui, bah tu vas manger maintenant. Si, je vais les manger maintenant, oui. Allez, j'y vais. Tu veux que je te mette dans la cuisine? Ouais, je veux bien. Allez, amène-toi, c'est pardon. Voilà, c'est bien là. Tu regardes la cuisine de loin, t'es pas loin de la même machine à snacks et c'est oui, super. Parfait. Allez, bon appétit. Ah bah oui, c'est parfait, je prends la snack. Et merci. Merde. On fait un tango, commandant? Non. Eh ben, pas de tango. Eh ben, allez, 16, on y va. Allez, hop, let's go. Et à plus tard. On ne peut pas trop y rester, pas prudent. On va faire une mini pause comme ça, je vais aller. Oh là là, mais il n'y a plus de co, c'est ça? C'est terrible, c'est l'heure. Je sais même pas si vous me recevez encore. C'est terrible. Si, ça a l'air d'aller. Un coup c'est vert, un coup c'est rouge, on ne sait plus. Mon cœur balance. Ta ta ta! Terrible ça, hein. Cette côte des enfers. Me recevez-vous, chat? T'inquiète, ça passe? Ok, ça marche. Du coup, pour t'expliquer, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu. Je suis où là? Je suis dans quel canal? Hop. Il y a eu, ici même, un attentat envers Stevenson et Nash. Puisque Matteo Ortega des Aztecas est arrivé de ici à pleine balle, donc en sens inverse, était à 240, je sais que HRP, la vitesse bien sûr, et a fauché Nash et Stevenson. Voilà. Et j'ai laissé Nash dans le coma pour la nuit, sur respirateur, parce que j'avais envie d'aller me coucher globalement. Mais j'étais... Enfin, ça aurait pu aussi être une demande de mort RP là-dessus. Voilà. Écoute. Pardon. Si vous me recevez, on va faire une mini pause afin d'aller se restaurer. Voilà, je vous le dis. Je vais prendre une dizaine de minutes. Et puis c'est tout, c'est comme ça. Et puis si jamais la connexion tient, eh bien on se dit à dans 10 minutes. Hein. Enfin, je vais laisser Nash comme ça et puis je reviens 06, rapidement. Salut, je vais le rechercher au PDP. Et disquette. Hop là! Allez, à tout de suite!
Quelqu'un ? Allô ? C'est bon, je suis de retour. Pour vous jouer un mauvais tour, j'ai perdu la canne. J'ai gagné une canne. Une canne, c'est super. Ça va être drôle. J'ai expliqué du coup ce qui s'est passé ? Oui, j'ai expliqué. Du coup, le repas attendra dans quelques instants. Hop ! Alors, on a ça. On a ça. On a quoi d'autre ? Ça ? Oui. Oh, quoi d'autre ? J'arrive. T'as jamais passé la porte ? Comment il va faire ? Est-ce qu'il va tricher ? Il peut passer la porte s'il sait comment faire. Il sait comment faire, c'est ok.
Voilà. 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 Je ne trouve pas quoi dire à Tolok. Je ne trouve pas quoi dire. C'est long. C'est si long. Bah là ça roule bien. Là ça roule bien bien. Hein. Pour LSD, on aurait besoin de 10-24 aux alentours de 6002 dans les villas pour un 10-31 suite à 10-40 sur une flash GT verte. SHP sur commune, visuel, flash GT, dans les villas en 6040. Ah, sinon, quoi de neuf, Tolok? Eh bien... je suis toujours pas formé à toutes les formations SWAT. Et alors? Je crois que j'y arrive un jour. Bah, c'est pas grave, ça va venir avec le lot. Oui. Mais c'est ça, oui. Mais à chaque fois qu'on avait programmé un truc, l'agent que je devais former n'était pas là, oui. Hmm. Du coup, c'est compliqué, oui. Ah oui, c'est pas facile en ce moment. Faut prévoir ça autre... Oui, surtout en ce moment, oui. Faut pas prévoir ça soit le soir, c'est tout. Ah, c'est ça, oui. Mais sauf que, oui... Ah bah, je sais bien que ça ne dépend pas que de toi. Ah oui, tu t'es même malade. Oui. Une bonne gastro, oui. Ah, j'ai pas besoin des détails. Ah bah non, je donnerai pas de détails, oui. 24. Reprise de visuel jusqu'en 6026. Super. Vraiment super. Et vous, comment ça va? Bah écoute, ça va. Ça roule. On peut pas dire ça comme ça. Ah bah sur tes gars qui... Oui, bah c'est vrai que c'est plutôt lui qui me roule de dessus dans l'immédiat. Oui, je... Sauf le moment où je vais porter tes plaintes. Oui, non, mais il est quand même un peu con, J'aurais dû nous noter, sur le coup, j'ai pas tout noté, mais globalement, il a avoué de lui-même qu'il avait pris un sens inverse et qu'il roulait très très vite parce qu'il détestait une voiture peu puissante et donc pas à K90. Ah oui, d'accord. Oh, oui, il m'a tout dit, oui. Ah, c'est pas mal, oui. Ah oui. SHP sur commune 4 du 10-31. Merci pour le coup de main. Et de rien, le SSLP. 700 mètres derrière le niveau de véhicule. Et 10-26 de lundi. Mon repas est arrivé, les amis. On va pouvoir griller avec Tolok. Ah, vraiment, l'ambiance est délétère hein, dans le PDP, là. Hein. Fiu, c'est l'éclate. Tolok. Oui. T'as une âme amoureuse? Non. Comment ça se fait?
J'ai pas cherché. T'as pas cherché? Oui. Et t'as jamais eu un coup de foudre en voyant quelqu'un? Pas encore. Après j'ai dit amoureuse, mais ça peut pour être amoureux. Ah oui, non plus, j'ai jamais trop envoyé quelqu'un d'autre. D'accord. Et t'as personne qui te vient en ta tête qui te plaît? Non. Personne. Je me dis, si j'apprécie quelqu'un, il part dans la gang. Du coup, je me dis, autant pas l'apprécier, comme ça, il va pas dans la gang. Mais comment ça? Bah, monsieur Ortega, il a fini chez ACKS. Manuel, il est parti chez ACKS. Qu'est-ce que je compte d'autre? Il y en a une autre de mes connaissances qui est partie chez le Cercle. C'est compliqué, c'est qui? Oui. C'est qui au Cercle? Mais attends, faut que je trouve le nom. Et Ortega, là, c'est ton pote, du coup? Bah, j'ai été coloc avec lui, oui, pendant un moment. Ah oui, d'accord. Moi qui... Je lui ai fait découvrir l'île en arrivant, oui. Arrivé. Ok, d'accord. Et après, un peu un chemin opposé au mien, oui. Tu lui as pas dit que j'allais pas porter plainte? Eh ben non. D'accord. Je sais que je peux être con, mais quand même. Mais tes collègues, tu les as pas appréciés? Bah oui. Bah, peut-être tu peux te trouver une collègue ou un co-collègue. Bah oui, mais faut que ça reste des collègues. Comment ça? Tu es, tu es dans la team Nono Sobin Job? Oui, je connais ça. Comment ça? Oui, je... Ah ouais. J'ai pas entendu parler de cette expression, oui. Mais oui, non. Donc tu pourrais pas sortir avec un co-collègue parce que c'est un co-collègue? Non, c'est pas ça. Après, j'ai jamais eu de coup de foot non plus sur les collègues, mais il y a plein de collègues que j'apprécie, mais... Et ça reste des collègues, tu vois. C'est pas non plus... Y a pas de coucou de cœur, quoi. Non. Pas encore. Ah, c'est décevant, hein. C'est sûr, c'est Broadmave. Il est parti aussi chez le Cercle, oui. Qui ça? Mev Brandt. Oui, d'accord. C'est une copine, ça? Bah, c'était une personne que je connaissais, oui. Et elle est aussi partie du Hagog, oui. Et ça aurait pu être plus? Bah, ça aurait pu être plus, oui. Mais, ah mais... Et au Cercle, oui. Du coup, c'est plus. Bah, faut tout faire pour la ramener sur le dos droit chemin. Oui, non, je pense que c'est trop tard. Oui. Faut pas lâcher l'affaire. Ah non, les pas du tout perdu, oui. Non, parce que après, c'est encore me retomber dessus, oui. Quoi, t'es indique pour la mamano, c'est ça? Non, mais c'est ça, oui, voilà, je... Bah oui, il y a elle aussi, Lada. La bosse est bien. Ah oui, d'accord. Mais elle est partie chez Lada. LSES, il y avait... Elle a fait quand même un 180 degrés LSES in Tumano, hein. Je tiens à dire que... Il y a la bombe brutie des ghosts aussi, là, qui était au LSES. Oui, Joyce. Tu l'aimais bien, elle? Je l'ai jamais trop apprécié. Hein. Moi, c'est normal, elle est chiante. Ça a l'air d'être une des débiles mentales, en plus. Mais plutôt qu'elle a un sale caractère, mais oui, chiante et débile mentale, ça va bien aussi. Ah oui, ça a l'air vraiment d'être une des débiles. Moi, j'ai pas envie de lui parler spécialement à elle, oui. Tu as Gordon Pack aussi, que j'ai connu à mon arrivée sur l'île, et qui est chez les Valas. Ah oui? Non, mais quand je regarde les personnes dans les gangs, c'est compliqué, oui. Mais tu te traînais où pour les croiser, ces gens-là? Pack, je l'ai croisé à la Syrie, donc c'est pas si étonnant que ça, mais après, sinon, c'était à Brasserie, oui. La brasserie et le LSSES. Oui, aussi. Premier formateur de cas criminels. Je dirais... Oui, c'est vrai que le LSSES, c'est pas mal quand même. Donc si, ouais. Ah ouais, quand même. Oui, c'est pas faux. Je crois qu'il y en a eu d'autres, hein, du LSSES, qui ont fait ça aussi. J'ai un doute.
Je vois pas d'autres de tête, mais oui, potentiellement, oui. Ouais, non, c'est compliqué, hein. T'as l'air d'avoir un cœur me meurtri, Tolok. Oui, c'est un peu compliqué, oui. Oui, Stinson. Oui. J'ai très peur de regarder sur le dispatch, là, Stinson. Et comment ça? Oui, d'accord, toujours plus. Bon, c'est génial, allez. Mets ça à ta, Stinson. Génial. Je sais pas si vous avez vu ce que Stevenson a fait sur le display. C'est vous, le dispatch? Oui. Je pensais où, du coup, je pense que c'est Stevenson, oui. Le IT. Ah, formation échelle. Oui. Il est con, ce mec. Ah, oui, c'est sûrement lui. Il est au PDP, il a dit TTT, oui. J'ai vu. Techniquement, quand vous êtes en ITTT, vous n'êtes pas censé être au beau boulot, quoi. Sur le dispatch, oui. Bon, on est d'accord, oui. Oui, dans l'idée. ITTT, ça veut quand même dire interruption temporaire de ton travail, quoi. Oui, c'est pas faux. Mais maintenant, c'est IPT, du coup, c'est interruption physique de... Non, c'est quoi? Je sais plus. C'est quoi? Je sais plus non plus, c'est quoi le P. Si, ça doit être interruption... Non, interruption physique temporaire, c'est étant. Bon, ça revient au même. Bah oui. Je sais pas. Alors toi, t'es pas plus homme ou femme? Plus femme. Ça serait quoi ton idée idéal? Je sais pas, oui. Deux gens sur l'île ou pas sur l'île, hein? De quoi? Deux gens sur l'île ou pas sur l'île, peu importe. Ah mais dans les deux cas, j'en sais foutrement rien, oui. Mais comment ça? On a tous un idée idéal, moi j'adore le capitaine Jack Sparrow. Ah oui, c'est pas mal, oui. Ah bon, mon mec, c'est pas le capitaine Jack Sparrow, mais c'est pas grave, il est drôle. Et puis il est beau aussi. Mais je te dirai pas qui c'est. Bah oui, j'imagine. Faut pas que je vous le vole. Comment ça? T'as dit que t'étais plus femme? Bah oui, non, mais je sais pas, oui. J'essayais de trouver une raison. Je sais pas ce que fait 04 à faire des airs-tours dans Open Space, mais il devrait rentrer ses jambes, oui. Peut-être qu'il te cherche? Ah, peut-être. Il y a peut-être une faflamme à déclarer? Ah, peut-être, oui. Te déclarer à toi, quoi. Ah oui, j'ai compris, oui. Et tu dis peut-être? Mais non, mais j'en sais rien. Est-ce que tu veux que je lui te demande? Nous, ça va aller, oui. Sûr. Oui. Ça va, Don? Oui, c'est un peu mieux. Un peu mieux, d'accord. Oui, encore 10 minutes avant de retourner au SES. Oui. J'ai une question. Oui. C'était plus homme ou femme? Bizarre comme question. Non, on est en train de discuter vie affective avec Totoloc. Vie affective? Oui. Vous êtes où? Dans l'accueil du PPDP. Est-ce que tu préfères les hommes ou les femmes? Attends, ah, c'est bon, vous êtes là. Oui, je suis là. Attendez. Bonjour! Putain, j'ai rien de me faire chier là, je trouvais personne dans le PDP. Bah oui, je vous voyais faire les 400 pas dans le Open Space. Bah oui, on a cru que tu voulais déclarer ta flamme à Totoloc. C'est pas pour ça que je te pose la question. Non, moi je suis plutôt femme. Hein. D'accord. Dunn, c'est quoi ton idée idéale fait féminin? Oh waouh. Sur l'île ou papa sur l'île, hein? Parce que Totoloc, il a papa d'idée, alors j'essaie de poser les questions. Mon idéal féminin.
déjà, faut qu'elle soit intelligente. Mm-hmm. Qu'elle soit pas une femme dépravée. 23. Dans le sens pas trop de tatouages, machin, ceci, cela. Bon, après c'est parti. Enfin, c'est dans l'idéal. Après, bon, il y a toujours des exceptions, mais. 73, mais enfin, le critère principal, c'est plutôt intelligente. Après, on arrive au niveau des taxis, après, faut voir. On continue ouest. Est-ce que t'as un exemple sur l'île ou pas sur l'île? De femme intelligente? Non, mais d'un idéal. On va arriver devant le PDT. Tu serais intéressé, pas par exemple? Du genre une actrice ou un truc? Ouais. Ah, par exemple, ouais. Actrice, j'aime bien Jessica Alba. Ok, ok. En chanteuse, j'aime bien Alicia Keys. Ok. Maria Carré, j'aime bien aussi. Ouais. Enfin, maintenant, ça fait un peu vieille, mais. Ah oui, mais effectivement, c'est plus le même registre. Plus jeune, oui. Mm-hmm. Et sinon, dans oh bah en plus c'est intéressant ce que tu dis là. Physiquement, voilà quoi. D'accord, on en reparle après. Bonsoir messieurs. Oui, bonsoir. Et bonsoir. Ouest, et on reprend sud. Et vous avez vu? J'entends pas ce qu'il dit, le monsieur. Perte de visuel en... Ils sont sympas les nouveaux sièges de bureau du LSP. Pas mal, oui. Plutôt confortable. Je crois qu'on vient pour déposer plainte. Ah oui. Plainte, s'il vous plaît. D'accord. On peut. Comment ça marche? J'ai besoin de mes jambes pour ça. Non. Mais j'ai besoin d'un force de l'ordre, de l'autorité pour une plainte, s'il vous plaît. Super. Bah, je viens. 04, il va aller vous chercher. Je vous amène l'agent roulant. Et c'est pas parti. Génial. Y a pas de soucis alors. Nickel, on va le poser pour qu'il garde la voiture. Par contre, faut que j'apprenne à faire ça, oui. À faire quoi? Je les amène où? Des places. Ah, faut que t'apprennes. Pardon? Oui, j'en ai jamais fait, oui. Faut que je les amène où? Don, t'en as déjà fait? Non, c'est la première fois. Oh, putain. Mais c'est pour ça, avec vous, c'est parfait. Ça, mais ça, moi, ça se voyait pas, mais j'étais clairement en train de grailler là. Ah bah moi aussi, t'inquiète. Bon, alors, tu les fais faire entrer, on va en sa salle de brief. D'accord. Faut monter, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Je vais te dire, bah, galette au chorizo, oui. Tolok? Oui. Rappelle-moi de ton grade. Officier 2. J'ai envie de péter les plombs. Du coup, je prends le modèle, j'en fais une copie. Voilà, doucement. Je tombe sur le dos. Hop là, on va voir ça ensemble. Bon. Vous aimez les ombres chinoises, vous mettez devant le rétroprojecteur. Ça s'appelle des épicènes. Vous allez dans BBE enquête. On peut discuter normalement, on doit entendre. Doucement. Ok. Donc BBE enquête, mes messieurs. BBE enquête. J'ai dit BBE, faut pas déconner non plus. Ensuite, vous allez dans plainte et dépôt position. Oui. Monsieur va pas porter plainte, donc vous prenez le mot modèle de dépôt de plainte, vous en faites une copie tout de suite. Les fichiers et une copie, et du coup Tu le laisses où il est pour l'instant. On s'occupera après. Tu prends l'identité du monsieur, puisque tu vas renommer le dossier de plainte avec ce surnom. Oui. Monsieur Blaze, Blaize. Prénom Connor. Quand même. Ah oui, je vous. Et prénom Connor, C-O-N-O-R. Je vous laisse vérifier l'identité.
là, ici. Ok. Let's go dehors, du coup. C'est ça. Créer une copie. Ensuite, dans personne. On va montrer la carte aussi. Dans personne peu présente. Tu vas pouvoir mettre les noms des deux personnes ici. L'avocat et celui qui peut porter plainte. Merci. Seb, le Lurquin. Lurquin, attention, il va se fâcher. Plus oui. Nos matricules, pas nos noms, nos matricules. Toujours dans personne peu présente. Ah oui. On va arriver sur l'ancien FTC. On passe l'ancien FTC, ouest. Ensuite, dans dépositaire, c'est nous. Donc tu remets nos matricules. Et dans peu plaignant, tu remets les noms des deux peu personnes. Tu prends leur numéro de téléphone respectif, dans l'ordre. Du coup, monsieur Connor. Oui. 44,99. 44,99. Et Seb, c'est quoi ton numéro ? 90-28. Je vais me permettre de boire un coup parce que. D'autres choses, le rétroprojecteur. On prend Nord, on sort du parking. Ensuite, tu demandes si. C'est une plainte contre quelqu'un en particulier ou non ? Est-ce que c'est une plainte contre quelqu'un en particulier ? Techniquement, c'est sur un groupe de. Ça va être un groupe de personnes. La commission employée. C'est ça. Et niveau TTPH, c'est pas pareil. Si un numéro à faut fournir, allons-y. Sinon, non. Je peux vous donner la liste entière de la commission. Que je les prends présente, bien sûr, parce que je peux vous donner les gens qui n'étaient pas là. Donner les noms avec, du coup, oui. Oui, oui, bien sûr. Alors, attendez un instant. Que je prenne toutes les informations que j'ai besoin. Et on reprend West sur Occupation. Ça prend juste Nord, deux petites secondes. Hop. Commandante, je sais pas si j'ai accès parce que je le vois pas le. Tu as. Alors je ne regarde pas où il faut. Combat tous les agents, plein de dépositions. C'est directement dans le combat tous les agents, je crois. Ah oui, pardon. Alors... C'est vrai que moi je passe pas par le même lien. Commun à tous les agents, plein de dépositions. Alors on va essayer toujours de partir. Vous voulez sur la trame prénom-nom ou non-prénom ? On va essayer de toujours garder la même. Non prénom. McFarlane. MacFarlan. Lui, on l'entend prénom bien. James. James. Numéro de téléphone 555. MES. James. James. Numéro de téléphone 5178. Madame Thorne. THORNE. Prénom Dahlia. D-A-H-L-I-A. Numéro de téléphone. Elia. Numéro de téléphone 3829. Monsieur Spray. S-P-R-A-Y. Prénom Émile. E-M-I-L. Pas de E. Ok. Numéro de téléphone 5790. 5790. Madame Loquette Teddy. J'ai baissé son son dans mon DS aussi. T-E. Ça devrait être un peu mieux déjà. Prénom Tilia. Z-L-I. Prénom Tilia. T-I-L-I-A. T-I-L-I-A. Numéro de téléphone 7262. 72. 62. Monsieur Lurquin Seb, parce que on doit te dire à l'intérieur. Bah non, tu rentres pas. Bah si, techniquement, tu étais à l'intérieur, c'est l'ensemble.
Oui, alors si tu dois rentrer. Alors L-U-R-K-I-N. Oui. Prénom Seb, numéro de téléphone 9028. Ta suppléante était là ou pas, Seb? Non. Seb? Non, ok, alors, elle était pas là. Monsieur Hutner, H-U-T-N-E-R. H-U-T-E-R. Prénom Rico, R-I-C-O. R-I-C-O. Numéro de téléphone 4144. 4144. J'ai un doute si Alice Roy était là. Un instant. Je regarde Twess. Moi je l'ai baissé parce que Tolok, un coup il parle très fort, un coup il parle pas fort du tout. Non, elle était pas là. Ok, on continue. Monsieur Olson, O-L-C-O-N. Prénom Paul. Paul. Et bah, P-A-U-L. Numéro de téléphone 8035. 8035. Hop là. Vous me disiez c'est mieux. Human, c'était qui était là? Là. Non, il y a la commission des employés. Quelle chapelle. De toute façon, au besoin, si on aura oublié. J'ai un doute à dire que Tonino était là. Monsieur Chapelle, C-H-A-P-E-2-L-E. C-H-A-P-E-2-L-E. Prénom Léo, L-E-O. Bah, la commission des employés, vous avez un représentant par entreprise privée plus son suppléant. Donc, si les deux étaient là, effectivement, ça fait un peu de monde. 69. Hop. S'il faut, je mets plus pour Tolok, dites-moi. Aucune idée des deux qui étaient là. Alors, je vais renvoyer un message et on va passer à la suite après. On va y aller tout de suite. Roger, je sais que les deux. Oui, il est. Monsieur Sigberg, S-C-G-B-E-R-T. S-C-G-E-R-T. Ça dépend si on ouvre une enquête ou pas. Hein. Ça dépend de ce qu'il va, ce qu'il va dire. De quoi il va se plaindre. Prénom Will, W-I-2-L. Mais oui, c'est un bon tuto du coup. Si je mets Damon 4, c'est mieux. J'espère juste que je vais pas leur dire de la merde parce que moi, non, moi aussi, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait et à chaque fois, je donne ça aux agents. Je sais plus si Saul était là aussi. Quelle tempête? Il y a eu une tempête? Je reverrai un message après. C'était hier peut-être. Ron 2 était là. Monsieur Dulac. Dulac, D-U-L-A-C. C'est ça. Romain. Tiens, je viens de voir aussi qu'il y a une... Je viens de voir que moi j'ai une faute. Numéro de téléphone 3566. Le plus c'est ça, une chef ça délègue. Des os, pas des os. Monsieur Paro, P-A-R-O. P-A-R-O. Mon prénom Drew. Allô. 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 Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Tu manges? T'es en train de manger là? Oui. J'en étais sûr. Tu manges? J'étais en train de faire une déposition, en même temps, enfin une plainte, mais tranquille. Ah, d'accord. tu veux de la patrouille? Oui, je veux bien parce qu'on n'a pas grand monde là. Ah bah vous avez qu'une unité donc Ah oui parce que j'en ai deux qui sont en ITTT donc je leur apprends à faire une prise de deux plaintes, oui. Pourquoi tu nous appelles pas quand c'est comme ça? Bah parce que j'ai pas fait attention, je suis censé être en 16, tu es en train de bouffer, j'ai pas regardé. Ah d'accord, bon je t'envoie deux... Attends, je regarde combien j'ai. Je t'envoie deux patrouilles. Ça marche. Allez, bon appétit. Merci, un peu plus tard. Ah putain. De 28, il y a deux Adam BBCSO qui vont venir aider dans le sud. Après, c'est pas comme si on croulait sous les appels, quoi. Mais bon. Si je me trompe pas, au Yellow, il y avait personne. Ah, pas le brusquier, le petit. Monsieur Blaze, BLAZ2. Et Adam 06, on prendra 56. Oui. Prénom Connor. Oui. 44-99. 44-99.
Madame Brooke, B-R-2-O-K-E. B-R-2-O-K-E. T'as tout compris. L-I-L-Y. Salut Paradise. L-Y. Prénom 4486. Sur la bonne page, moi. 86. Et là, à partir de là, il va falloir que je passe 3-4 coups de téléphone. Oh la vache! Préciser. Moi, je suis en dépôt de plainte. Donc, non. Oui! Merci, à plus tard. 76. Là, il va falloir que j'appelle 2-3 personnes pour bien ne pas dire de conneries sur le nombre de personnes qui étaient là. Ça fait déjà pas mal de monde, hein? Oui. Ah oui, bah. On n'était pas au complet, mais il y avait presque tout le monde. En tout cas, moi, je me régale, hein. Comprenez-le. Hein. Sans Simon, quelque chose, on fera une. On, je me fera régale. Une continuité, on fera une continuité des. On rajoutera une continuité sur les personnes, mais. Hop là. Là, je me dois d'appeler certains numéros. De toute façon, si vous avez pas tout, on peut. C'est pour ça. On peut écrire là, la plainte et revenir après de dessus. Hein. C'est pas dérangeant tant c'est que vous avez pas signé. Mais pour l'instant, il y aura pour moi d'autres numéros à rajouter. Mais tu es où 58. Oh, tiens, en plus, toi. Oui, Carl, excuse-moi, Connor. Petite question, à la réunion, tu étais tout seul ou tu avais ton suppléant avec toi? D'accord, merci, c'était juste la seule chose que je voulais savoir. Bonne soirée à toi. Monsieur Brox, B-R-O-X. B-R-O-X. Prénom Carl. Carl. K-A-L, K-A-R-L. K-A-R-L. Trop marrant. Téléphone 58-55. Alors, ton pote, il était là ou pas pour que je le défonce dans ma plainte lui aussi? S'il te plaît, Seb, ou tu mets Evolt, s'il te plaît. Trop marrant. Quoi? Super. Tu peux m'envoyer Evolt, s'il te plaît, pour pas que j'oublie. Oui, Chilopu. Je me régale parce que je mange un truc bon. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et salut, Steed et Redim, merci pour ton follow, bienvenue à toi. 84-60. Donne-moi le nom de ton pote, là, pour que je vous défonce tous. Ah, chez l'Opu, on dit une queue de vache près, pas. 0968. Ouais, une vache près. Deux heures plus tard. Ah, il y avait aussi monsieur Rodop, cuisinier, qu'on avait... monsieur Elliot. Ah, et madame Elisabeth, conductrice de la voiture de madame Sylvie. Et aussi, ouais, on n'a pas fini. Hein. Mais c'est bien, ça leur fait un bon tuto. Très bien. Et pour le reste, on verra. Mais pour l'instant, je pense qu'au niveau numéro, on est pas mal. Bien vu, Pétrole. Parfait. Possiblement, on essaiera de revenir vers vous demain pour voir s'il y a on oublie des gens ou peut-être ce soir, on verra. Alors la rêve, je l'ai sûrement pas, mais moi je dis à une queue de vache près, pas une vache près, c'est tout. On va boire un coup. Et tout ce que j'en avais pas. Je passe toujours les refs, hein. J'ai même rarement les refs. Oui. Hop. On est bon pour les noms? On est tout bon pour l'instant. S'il y aura d'autres noms à donner, ils seront donnés dans un deuxième temps, mais comme ça. Maintenant, tu peux poser la question de pourquoi il peut porter plainte, c'est ça le cadre légal? Pour quelle raison? Du coup, pour quelle raison portez-vous plainte? La raison tiers exacte, Seb, c'était quoi ce qu'on nous avait dit? Divulgation d'informations d'une réunion de la commission. Donc, divulgation d'informations privées, du coup. C'est ça. Ok. Et ensuite, dans le ou les plaignants des déclarants, tu vas écrire mot pour mot ce que dit Monsieur Connor. Monsieur Blaze, pardon. Avec le plus de choses décrites ou quelque chose de très simple qui explique la plainte? Vous pouvez d'abord expliquer rapidement et ensuite on ira dans le propos ici pour l'écrire. Comme ça peut permettre d'avoir une idée. Oui. Perte de visuel en 71-32, direct.
Ce soir, le 14-09-2023. Vous faites le décret du coup tout de suite? Oui, 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 je vais essayer d'être le plus clair et précis. Je vais essayer de voir comment je vais y faire, mais je pense que j'ai quelque chose. Vous me dites quand je peux y aller. Hein. Ou vraiment... Ok. Il y a, nous avons eu une réunion de la commission des employés. Des employés. Plusieurs points ont été évoqués. Mais le point le point de la plainte à étudier est la nomination du représentant suppléant de la commission. Et la nomination du représentant et du suppléant? Non, du représentant de représentant de la commission. Je sens qu'on va encore avoir du drama. De la commission. Le drama, le drama, le drama, j'adore ça. Du drama de civil. Trop bien, non? suite au résultat de Monsieur Lurquin Seb. À 20h30, un communiqué salpaper. À 19h42. Du coup, à 19h30, oui, excusez-moi, oui. Pas habitué de faire des réunions, c'est tout. À 19h42. Stipulant des informations privées durant la réunion de la commission. Sur commune de kilomètres du dernier vol de véhicule, on y va. Des informations durant la réunion. Entre les deux horaires, aucune divulgation externe a été envoyé sur le nom de Monsieur Lurquin. Seb te souhaite un bon appétit. Moi aussi. Comment ça? Je pense que là on est pas mal. Je pense que là on est pas mal, Seb. Parce que j'ai oublié une partie importante sur le motif de mon ennui aujourd'hui. On est bien, oui. On est pas mal. Pour l'instant, voilà, sur la description, on est pas mal. Là, sur la... je pense qu'on est pas. Super. Après, j'aurais d'autres choses à dire en plus supplémentaires sur des informations déjà à donner. Vraiment, la commission. Mais je pense que ça vient dans un deuxième temps. Je sais pas. S'il faut que je le dise maintenant, faut me le dire. Eh bien, on peut y aller maintenant si pour le d'accord. Résumé des faits, c'est tout bon. Madame Brooke Lily. B-R-2-O-K-E Lily L-I-L-Y. L-I-L-Y. À la suite de cette réunion, m'a transmis une information. Une information. Deux points à peu près, ouvrir les guillemets. Hein, je vais pas. Oui. Ça va. On dirait une dictée exact, en cours de français. Deux points, de ouvrir les guillemets. Durant la patate, j'ai entendu la fille du Black Cat dire de toute façon, c'est pas confidentiel. C'est pas grave si on le dit à Salpaper avant lui. J'ai rien compris. Putain, j'ai rien compris ce qu'il a dit. Ce n'est pas grave, ça. Oui, c'est pas grave. Si. Je veux bien la fin de la phrase. Attends, vous pouvez me la redire, s'il vous plaît? Si on ne le de dit toute pas façon... avant Salpaper avant lui. De toute façon, ce n'est pas grave, ce n'est pas confidentiel, ce n'est pas grave si
On le dit à Selpepper avant. Est-ce que la dame pourrait se rendre en 70-94 deux véhicules bleu ciel, la bande blanche, qui sont percutés et individus sur le côté. Fermez les guillemets. Je rappelle que ni l'Assemblée des représentants et aucun des conseils municipaux. Le deuxième véhicule vient de repartir après avoir fait des donuts sur la route. Avait l'information que monsieur Lorquin Seb était le nouveau suppléant. Lorquin Seb était le nouveau suppléant de la commission. Ils ont l'air bien allés. Suppléant de la commission, ils ont. Voilà. Là, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce que je voulais dire. La seule chose que je pourrais rajouter en petite conclusion, c'est je reviendrai sur cette plainte pour possiblement rajouter des noms, prénoms et numéros de téléphone. Alors, une fois qu'elle est signée, elle est signée. Ah. On ne rajoute pas à la suite, ou alors faut refaire une autre plainte. Sauf si ensuite admettons qu'il y a enquête et que le BBE cherche à vous convoquer, là vous pourrez ajouter, mais la plainte en elle-même, une fois qu'elle est signée, elle n'est plus modifiable. Aussi bien dans les faits énoncés que dans les noms. Tu m'avais envoyé Evolt, ok. Vous pouvez rajouter un prénom, s'il vous plaît ? Oui. Madame. Alors. Je sais pas le prononcer, alors je vais juste directement dire les lettres. B-O-W-E-R. B-O-W-E-R. Prénom Marco. M-A-R-G-A-U-X. G-A-U-X. Et... numéro de téléphone 7408. 74-08. Oui, c'est ça, Pétrole, je crois que c'est ça que j'ai compris. Ils étaient pas là. Belize, on les a. Black Hat, on les a. La ferme, ils étaient pas là. Ça parle de l'élection du représentant des employés suppléants. Je fais appeler Rico. Non, si là je dois prendre je vais prendre 5-10 minutes à appeler tout le monde pour essayer d'avoir, aucun souci. Rico, quelle petite question, tu étais tout seul à la réunion ou tu étais avec Alice? Ok, merci. Bonne soirée à toi. Madame Roy, R-O-Y. R-O-Y. Prénom Alice. Alice. A-L-I-C-E. Oui, et numéro 20. 24-48. 24-48. Alors, G6, c'est bon. Human, si je me trompe pas, il n'y avait que Chapelle. Oui, de toute façon, il est tout seul à avoir signé. Okay. Evolt, il n'y avait que Margot. Taxi, il est tout seul, il me l'avait dit. Vignoble, ils n'étaient pas là. Roger, il y avait les deux. Ron. Ah! À l'aide! Ah, mais! T-H-A-R. A-R. Pardon, j'ai appuyé sur tous mes boutons, j'ai pas niqué. T-I-E-R. Pardon. Prénom Olympe. O-L-Y-M. Et E. Excusez, je me suis trompé de bouton. Prénom, c'est numéro de téléphone, 8460. 8460. Wesley, il est venu tout seul. Yellow Jack, ils étaient pas là. Les zombies, c'est bon. Vous avez tous les numéros de téléphone. Je reviendrai pas là-dessus. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut notifier? Vos attentes, suite à cette plainte. Je souhaite découvrir la personne qui a divulgué les informations. Souhaite découvrir. À Salpepper pendant une réunion confidentielle. Batman. Pardon. Une réunion privée, pas confidentielle. Je m'amuse toute seule, c'est déjà ça de gagner. Hein. Oh non. véhicule qui correspond à la description, qui part direction Bénise, au chantier. Souhaite connaître la personne qui a divulgué des informations pour l'heure d'une réunion. Le ou les personnes. Le ou les, je vais dire. Parce que je ne sais pas s'il y a plusieurs, s'il y en a une ou plusieurs. Et 5, c'était deux sultans à bande blanche.
Alors juste un petit point que possiblement que j'ai entendu tout à l'heure par la commandante. Seb, actuellement, tu viens en tant que mon avocat ou pas? Parce que... Et moi j'étais venu avec toi en tant que suppléant au départ. Donc... Oui voilà, c'est pour ça que ce que j'ai entendu à un moment la commandante dire... Pardon, oui, oui. Bah, c'est vrai qu'en même temps vous ne l'avez pas précisé effectivement. Oui, de toute façon, il y a vos deux noms dedans en tant que peuplignant, il n'y a pas d'histoire de... Oui voilà, mais c'est juste que c'était pour le point que non... Oui, vous avez bien fait de ne pas préciser du coup. Voilà, c'était le petit point juste à un moment qu'il fallait revenir, mais normalement c'est bon. Je vais, oui, en tant que représentant des employés, c'est ça? Oui. Suppléant. Ben, suppléant, oui. Non, mais les deux. Si, enfin, oui. Ça les deux. Oui. Voilà. Du coup, maintenant, si messieurs n'ont rien d'autre à déclarer, tu vas envoyer la copie telle qu'elle. Pour que ces mêmes messieurs puissent relire et voir si tout était bon. Okay. Si tout est bon, ils pourront s'y signer. Et nous aussi, enfin toi aussi. Du coup, je veux bien votre adresse mail, s'il vous plaît, monsieur Connor. Connor.blaze@discord.gg. Miss Connor, je sais plus comment je l'ai. Je viens de vous envoyer la plainte. Alors... J'ai déjà tombé. Ouais. Hop là, j'appelle ici. Parfait. Ouais, c'est pour toi. Alors... J'ai changé le coconté en Los Santos, la date et l'heure, mais... Tu peux penser. La prochaine fois. J'étais en train de le faire, mais oui. Ah, marche. Ah, cette clause... Cette... Je suis un petit peu dans ma tête pour lire, pour pas déranger tout le monde. Le téléphone, c'est une liste, c'est un annuaire téléphonique. Le ah oui, oui, oui. Oui. Oui, mais malheureusement, faut mettre tout le monde. Et je me demande si on n'aurait pas mieux fait de noter tous les noms dans le numéro de téléphone, numéro. Parce que là, c'est... Oui. Oui, on peut faire ça, oui. Oui. Allons-y. Commune, on a une sultane grise à bande blanche qui ressemble au niveau de la supérette 73-47, mirant en or. Égarée devant la supérette. Le Speedy 10-4, on va aller voir. Super. Oui, allô. Oui, j'ai monsieur Aletti Tonneau ici devant moi. Tu es au courant de quelque chose? Oui, pourquoi? Bah, il me dit que c'est très important, que je dois le laisser partir, etc. Alors, moi, je ne sais pas ce qui a été décidé avec le proc. Mmh. Vas-y, j'appelle le proc. Et ouais, début de patrouille. On rappelle. Ok. Confirmé 73-54. Eh, bonsoir, Nash. Et salut. Qu'est-ce qui a Comment été... Oui, pardon, ça va? Et toi? Ouais, ouais, oui, pardon. Ouais, non, mais ça roule. Écoute, je me suis fait rouler dessus. Je vais pas porter plainte et puis tout ça, ça va être bien. Oui, j'ai passé la nuit sur respirateur ou les SOS. Ah oui, merde. Bah oui, un abobotti des assiettes et casques qui roulait à beaucoup trop grande vitesse, qui arrivait en sens inverse et qui nous a faufauché. C'est moi. De ce que j'en ai compris. Bref, je t'appelle pas pour ça. Je t'appelle concernant tonneau machin là. Aletti. Mm-hmm. Oui. Holden, il m'a pas dit ce qui avait été décidé en fait. Sauf que là, il vient de se faire arrêter par Gunnar ou SSHP. Et donc Gunnar me dit, est-ce que t'es au courant de quelque chose? Parce qu'il me dit, c'est très un peu important, faut que vous me laissiez pas partir. J'appelle Gunnar. Il est au SSHP, c'est ça? Je suppose qu'il est au SSHP, oui. Bah, j'appelle Varanger. Mais je veux bien. Enfin, après, une fois que ça oui, se passe. Je t'en fais le point après, pas de soucis. Ok, allez. À toutes. À plus tard. On tente de raccrocher. Code 4 sur le code de vol de véhicule. Laissez ce code 4 sur le vol de véhicule et on raccroche. On est 71-08. Direction sud. Rire diabolique comme ça, SpaceS.
Moi, j'aimerais juste rajouter un point sur la citation que Madame Brooke a dit. Que juste après, en gros, ce qui a été dit, en gros, alors après la fermeture des guillemets, entre parenthèses, ou juste vraiment, c'est pour vraiment rajouter un point, que je ne suis pas sûr des mots précis. Oui. Allô ? Oui, allô ? Oui. Oui, c'est bon, c'est réglé, Gorgia. Non, c'est que en fait, il nous a donné des informations sur l'organisation des Manogames. Oui. Et que en contrepartie, on lui avait dit que bah, s'il continue à donner des informations, le but c'est que ça se règle vite pour qu'il puisse continuer d'aller en chercher en fait des infos. Mm-hmm. Voilà. Dans les grandes lignes, c'est ça. Et Holden, du coup, là, oui, mais il a pas eu le temps de nous faire un peu point. Mais du coup, là, quand on l'arrête, on l'amende. Oui, j'ai raccroché, je suis derrière la dame. On a d'habitude. Régler ça rapidement, le but c'est que, dites-vous juste que d'un point de vue extérieur, si quand vous le reconnaissez, vous dites bah tu peux repartir, ça va finir par se voir et il aura plus d'infos. Donc, oui, y a pas c'est, vraiment c'est d'intérêt. Pour ça. Donc faut que de l'extérieur, ça ait l'air normal et il faut pas non plus que tout le SPD ou tout le SHP sache que. Donc de votre côté, à la limite, vous le mettez à part, vous faites comme si vous le jugiez normalement, mais en fait, vous mettez le minimal et ça repart, quoi. Oui, mais sauf que si c'est un agent lambda qui l'arrête, il ne pas, quoi. Alors, si c'est un agent lambda, vu que c'est marqué récidive, et dans tous les cas, un agent lambda est censé contacter au moins un état-major pour la décision. Oui, tout à fait, oui. Donc normalement, il y a un moment où ça passe par vous. À vous de voir comment vous gérez pour que ça ait l'air le plus subtil possible. Dans tous les cas, le bureau du procureur est au courant, et si ça arrive sur multi-récidive, bah contactez-nous comme d'habitude et on gère. Ensuite, tu auras le tas. Ok, ça marche. C'est bon pour toi ? Je note. Ok, allez. Merci. À toutes. À toutes. C'était Spanish, 71-31. Issue de Alta Place, 71-30. Puis Est, direction boutique de Videmont. Je reprends Sud, Alta Street. Pardon. Alors, je pose la question, mais je pense qu'elle est évidente, même que bien sûr, je n'ai aucunement à annoncer à la commission qu'une plainte a été adressée à eux par rapport à ceci. Tout à fait. Voilà. Lower Street, direction Chantier Bénise. C'était quand même pour demander au cas où, mais... Non, Alta Street. Je pense pas. Quoi d'autre Non, on va passer à Arcadius. Alors, j'avoue que j'ai pas tout suivi avec les cocos de fil. C'est quoi la question ? À la commission, ils ont dit qu'il y a une plainte qui a été émise. Vous pouvez le leur dire si vous voulez, dans l'idée, je crois pas que ça soit très gênant. Oui, alors, sachant qu'il y a eu possiblement une divulgation d'informations, si derrière maintenant il y a une plainte qui doit être balancée, ça viendra pas de moi. Oui, mais le truc, c'est que si jamais vous le leur dites tout de suite. Si jamais ils doivent être convoqués pour X ou Y raison, ils ont aussi le temps de se mettre d'accord sur ce qu'ils vont déclarer, vous voyez aussi. Ok, eh ben je ne dirai rien. Enfin, moi, c'est mon beau point de vue de personne qui pense que tout le monde est vicieux dans cette ville, mais... Ce serait un peu... Oui, et après aussi, serait un peu débile de ma part de leur prévenir que possiblement, ils ont fait une connerie pour les préparer. Mais non, mais c'était juste quand même... Voilà. Possiblement, si à un moment, tant que ça parle, tant que de toute façon... Je discute de eux, techniquement, je n'aime rien à me reprocher, donc je ne discute pas avec des gens qui ne savent pas. De toute façon, je ne dirai rien. On va laisser call. Yep. Si c'est bon pour vous au niveau de l'écrit, vous allez pouvoir s'y signer en bas de page. Signature en particulier ou juste le nom et le prénom ? Comme vous s'y signez habituellement. 99-1048. Difficulté supplémentaire. C'est bon. Monsieur Lurquin, super. C'est parfait. Ensuite, je vais vous inviter à fermer le document. Et toi, tu vas le faire fermer également. Tu vas l'enregistrer pour le sortir en PDF. Je vais le renommer aussi. Il est déjà renommé, là, normalement. Pour dégager modèle, oui. Ah oui, pardon. Je voulais l'enlever tout à l'heure, j'ai zappé. Là, on est tout. On fait une copie PDF que tu leur envoies par mail à tous les deux. Et du coup. Et 14 pour 16. Normalement, Seb, je viens de t'envoyer. Merci. Et normalement, Monsieur Connor.
Je viens de vous l'envoyer aussi. Eh ben, parfait. Hop, et toi, ton PPDF, tu le mets dans plainte rédigée et tu supprimes la version modifiable. Ok. Oui, je mets le PDF dans. Oui. Ok. Oui, pour pas que ça soit modifié ensuite. Ouais. Exactement. Hop, du coup, ça je peux fermer. Plainte rédigée. Eh, Speedy. C'est bon. Et du coup, ça va dans, directement à l'Speedy. Après, tu t'en occupes pas, tu les soucies. Je vais dans plainte rédigée à l'Speedy, c'est ça? Non, tu mets juste dans plainte rédigée. Et d'accord, je vais pas dans l'Speedy. Ok. Hop là. Et ensuite, tu vas dans remonter BBE, je crois. Sur l'intra des Discord. Attends, je dégage la plainte d'ici. Et tu mets des propos de plainte de monsieur et... bah, de toute façon, on a mis que au nom de... Oui. Est-ce que Connor, mais tu peux mettre les deux. Déposer dans le drive. Et oh, t'es bien. Plainte... Avec un hop là, genre c'est un bout de bois, oui. Ouais, c'est ça. Hop là. C'est bon? Oui, on est tout bon. Bah, on va pouvoir accompagner ces mêmes messieurs à la sortie, si c'est bon pour eux. Je vous laisse passer. Allez, zou! Allons-y! Allez, zou! Ah oui, on va dire pour le petit. Pour le peu petit. T'entends, tu es peu petit, Tolok. Bah oui. Attention! Petit du LSES, c'est ça. Hop là, comme un chef. Ah bah oui, je vois ça, oui. On l'a vu. Oui, je suis le petit bleu du LSES, oui. Vous avez dit quoi, monsieur Lurquin? Disons, on l'a vu grandir au LSES, nous. Ah oui, donc c'est votre petit. Ah oui. Bon, t'as rapetissé pour quelques heures. Sympa avec vous. Oui. Hop, hop là. Incroyable. Pour sortir. On peut pas monter cette échelle. Ah oui, professionnel. Et... Tout à fait. Mais du coup, on va passer à la formation échelle. Hein. Ouais, du coup, professionnel. Ah oui, il faut bien se former. Formation fauteuil roulant, Conante, vous l'avez. Aussi bien à peau poussée qu'à être dedans. Ah. Largement. Ah bon, bah là, oui, là c'est compliqué. Là. Et oui. Au cas où, comment ça prépare un véhicule, on a bah, écoutez, messieurs, passez une excellente ce soirée. Bah, oui. Vous de même, et merci de nous avoir pris le temps de. Il n'y a pas de soucis, mais merci à vous pour avoir votre temps. C'est bien normal. Merci. Apportez. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Belle soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Et à bientôt. Et bon à courage. Bientôt. Oui, merci. Merci. Allez, on va aller se SMA maintenant, non? C'est bon. Allons-y. Hop là. Juste que j'aurais perdu, oui. Hop là. Hop là, et vous. Oh, miam, 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 Retex et salut Auré. Les médecins sont avec nous, mais on a dormi sur le BSSO qui prend. Hop là. Et de Tango Ose composé de 28 Ose et 04 direction LSES.
Ah oui. Pas nous handicaper encore plus, commandant. Mais tout va bien, vous êtes un peu pleine forme. Ah oui. Vous êtes bien reposé, bon bah alors. On est en pleine forme plus que la voiture. Et puis en plus j'ai rien fait, mais la voiture va très bien. La voiture elle a pas un pépette. Ah oui d'accord, on voit pas la même chose quoi. Alors vous vous arrêtez maintenant. Genre, on voit vraiment pas la même chose, oui. Elle a pas du tout de pète, la voiture. Le capot a pris un... Oui. Non, le capot va très bien, vraiment. D'accord. Et Tango 11, 10-23, les SOS. 10-4. On va essayer, pétrole, de passer, okay, passer par le toit. Oui, donc vous passez par le... Ah oui, c'est bien ce que je me disais, hein. C'était pas pour la... Oui, c'est... oui, oui, je... non. C'était pas pour ah, la je science. Toujours pas, oui. Comment ça, c'est... mais de quoi? Bah l'ascenseur, il veut toujours pas descendre quand on est en... Oui, ah, il oui, veut non, toujours mais... tout le temps pour aller au milieu, oui. C'était pas pour la science, t'inquiète. Et d'accord. Hop, mais merci d'une. Donne, pardon. C'est parfait. Voilà, pétrole, on a testé. Ça marche pas. Bah du coup, je pourrais pas tester pour des soins. On va aller au LSES pour terminer la procédure à UBSS. Allez, c'est Parks. Ah, bonjour, commandante. Parks. Ouais, ouais, c'est moi. Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis rentré à l'aéroport il y a deux jours, m'a dit le médecin. Et quoi, tu es rentré quoi? À l'aéroport. Et puis je sais pas la suite. Je me suis réveillé là. J'ai pas eu beaucoup d'informations. Oui. T'es rentré à l'aéroport et t'as. Oui, j'allais à l'aéroport. En c'est civil? Oui. Eh ben, c'est pour la visite de contrôle. Super. Et puis je me suis réveillé là. Et mes médecins, on sait pas plus et toi non plus. Voilà, j'ai vraiment pensé à demander. Oui, oui. Je pense pas très vite là. Oui, je comprends. 4 sur le 10-26. Ah merde. 19 pour chercher 16. Si c'est l'aéroport d'il y a deux jours, j'ai l'info de ce qui vous est arrivé. Ah. Ah bah vas-y, dis toujours. En gros, alors soit vous, soit quelqu'un était en train de regarder les véhicules dans le concessionnaire et soit vous, soit quelqu'un a foncé dedans et vous a pas vu et du coup ça a pété. What the fuck. D'accord. Ouais. Mais c'était foncé dedans, mais sans le vouloir, en fait, il a vu la personne en train de regarder le véhicule dans le concessionnaire. Terrible ça. Voilà. Oui, je vais pas me c'est le. Vous savez si le Beniz a récupéré ma voiture? Le thème. Il me semble que oui. C'était quoi ta voiture? Ma Revolter. Il me semble que oui. Et en tout cas, oui, on a vu l'ambulance arriver et après on sait pas si on n'a pas vu si le Beniz était. Je vais pas poser la question. Venu à récupérer. Oui. Oui, je viens de voir sur le seul paper qu'hier c'était votre anniversaire, joyeux anniversaire avec un jour en retard. Merci Holst, mais du coup c'était hier effectivement donc... Oui bah je sais mais hier j'étais oui encore dans mon lit, oui. Oui mais ça c'est pas grave, mais du coup si c'était hier ça vaut pas le coup de me le souhaiter aujourd'hui.
Bah avec un jour plus un, non? Non, ça s'en bat les couilles. Mais merci que quand même, Holtz. Bah désolé pour le retard. Non, mais je t'attends même pas, n'importe quoi. Allez, à peu plus Allez, tard. À plus tard, commandante. Oui, allô? Salut, McFarlane, pardon, j'étais au téléphone en même temps. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Est-ce que t'as récupéré, enfin, Beniz a récupéré une Revolver? Quelle couleur elle est, Pepper Extra Revolver? Noir. Récemment? Noir Nanakri Rouge, il y a deux jours. Ah, c'est celle de. Quoi, Jim. Parks. Celle de Parks? Oui. Ouais, elle est là. Elle est là? Ok. Ça marche. Elle est réparée, elle est nickel. D'accord, bah, je vais lui dire. Ouais, j'ai laissé un message, j'ai envoyé un SMS hier, je crois. Ah, peut-être qu'il a pas vu. En fait, on a un problème avec les nouveaux systèmes d'assurance. Du coup, ça dit non, puis ça dit oui, puis ça dit non, puis ça dit ah oui, d'accord. Et donc oui, là, ça a bien dit non, et puis là, c'est bon. Assurance, ok, il a juste à régler. Alors, c'est pour une vis de. Ok, bah je lui passe le même message. Ok, ça marche. Et bah merci, à peu plus tard, bonne soirée. Pas de soucis, à plus tard. Oui, allez-y. On est bon? Non. Ah bah non, je suis con, t'as pas pété. Collins et maintenant. Bah oui. C'est-à-dire qu'elle a carrément appelé directement le médecin pour être. Ah oui, d'accord. Elle a demandé à la source, quoi. Ah oui, du coup, nous, on va se faire enculer globalement. Exactement. Ça marche. Bah, c'est noté. Et criminel, pas sans premier. C'est-à-dire, il a décroché le téléphone, il a fait oui, Kim. Et après, il s'est occupé d'elle, ouais. Dans la vie. Ah oui, moi aussi. Surtout qu'elle est très gentille et qu'on peut descendre les échelles. Parks, si tu veux, je peux t'amener au bébé Nice. Si tu peux conduire. Je suis pas sûr. Je vais peut-être la pousser. Non, mais on va s'en occuper. On va la ramener chez toi si tu veux. Adam, ah bah pourquoi pas. 3 oui. Sur commune, on prend le dernier appel vol de véhicule. Oui, ok. Je sais pas combien ça coûte le gardiennage par contre. Oh, c'est pas grave, ça c'est pas un souci. On va mettre pour nous, on arrive aussi. Par contre, si je me tiens à un ratio d'une éclosion tous les mois, ça va être compliqué. 10, oui, ça j'aurais dû éviter à l'avenir. Désolé, Speedy, on décroche. Allez, bien prêt. Bah écoute, lui il sort d'ITTT, moi aussi, c'est super, oui. Ah oui, non, mais tout va bien. C'était un. Bah lui, c'est pas descendre des échelles, de Don non plus. Et moi, hier soir, avec Steve Evanson, on prenait notre fin de sa service et il y a un mec des Astatecas qui roulait à peu pleine balle, arrivé en contre-sens, qui nous a fauché, oui. Du coup, j'ai pas pu admis ce soir, Speed Pirate. Stevenson, oui. Qu'est-ce qu'il a? Stevenson, qui est sur respirateur? Non, moi, qui a pas passé la nuit, ce soit respirateur. Ah oui, c'est la grande forme, LSD. J'ai un peu pleine forme là, c'est super. Et surtout, il était vraiment fier de me l'annoncer, oui. Alors, pour préciser qui hein. Oui, qui était fier, oui. Ah oui, nous. Ah oui, parce que monsieur Zastekas. Oui. Ah oui. Oui, non, c'est vrai, c'est pas clair. Oui, le monsieur des ACK, c'était fier de l'annoncer. Il avait écrasé deux agents du LSP pendant de hors service. Il est vraiment pas fait exprès. Hein. Ouais, enfin, ça, oui. Alors, c'est pour ça qu'on dit aux gens de conduire douce, c'est pas pour. Ça reste extrêmement dangereux, oui. Et dans le sens de la route, pas en contre-sens aussi, oui, je t'aide. Les moments où il faut justement plutôt essayer de se faire petit. Clairement, oui. Au
pire, ce qu'on va faire, c'est que Tolok, tu vas aller chercher une vraie voiture, comme ça tu vas attendre Dunn. Et. Ah oui, mais non, il me manque toujours quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui traîne. Eh bien, allons-y, je fais ça. Ouais, mais il faut quelqu'un en plus qui cherche une voiture. Eh ben oui. Oui. On peut mon tour ou pas? Non. Bon, ça va. Et bah, non, mais de toute façon, Dodon, t'as pas besoin de nous pour une consultation. On va te laisser, c'est pas patienter. On récupère la voiture de Deux Parks et on vient te chercher. Mais oui, comme ça, on fait ça. Allez, on y Giggling Sweeter. Je vais rouler doucement, Totologue, d'accord? Allez-y. Oui, ça va maintenant. Alors que ma voiture va très bien. Oui, la voiture, par contre. Qu'est-ce que tu fais ce soir, Parks? Bonne question. C'est pas trop, du coup. T'es en ITTT, là? On m'a rien dit là-dessus. D'accord. Mais je suis un peu dans le gaz. Oui, de toute façon. Je vais pas te faire prendre ton service ce soir, oui. Mais oui, je pense que. Je pense que les blessures physiques se sont un peu remis là pendant mon séjour à l'hôpital, du coup. Oui. A priori, selon la médecine, je suis pleine capacité de mes capacités. D'accord. Oui. Okay. Bah, décidément, ils sont partout. Bah oui, ils suivent leur chef comme des dégainches. D'accord. Bonsoir. C'est pas la même. C'est lui qu'il faut te demander. Moi, ça roule. Parce que j'ai appris que vous avez été écrasé avec ma voiture. Ah, c'était votre voiture? Je la foufou trop. Ah, c'était ma voiture, mais. Ta voiture, pourquoi je te. Un coup, je te tutoie, j'en peux plus. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi? Elle était carbo, la révolte. Bah, je sais pas, j'étais à l'aéroport. Et puis, j'allais voir les avions. Et puis. Ah, et d'accord. Hôpital. Ouais. Okay. J'ai déjà eu des cas comme ça. Ah oui, d'accord, super. 16-10-48-56. C'est bien tout en rose comme ça. Ah, c'est vrai que... Ah, ils ont fait une journée Saint-Valentin. Ah ouais, c'est mignon. C'est sympa. Du coup... Okay. Merci. La facture. Alors, la petite c'est pour vous la facture? Oui. Tac, la Revolter, elle sort. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir. Bah, si ça roule, oui. Hop, tenez pour vous. Nickel, c'est réglé, merci à vous. Tu préfères faire que ce soit qui conduise ta voiture? C'est payé, c'est rendu. Voilà, la meilleure pilote de la synthèse. Bonsoir. C'est clairement pas moi. Alors oui, ça va, mais j'ai l'impression que toute la ville est au courant et que moi-même, je ne savais même pas ce qui m'était arrivé, c'est terrible. Oui, d'accord, super. Non, bah globalement, j'ai pas passé, la nuit et une bonne partie de la journée sur le pipérateur, voilà. Oui, bah,
Oui, oui, on était inquiet un petit peu hier soir. Mais tant mieux, si vous allez bien, c'est plus important. Bah, que ce soit hier, inquiet. Moi, j'étais pas inquiète, j'étais. J'étais pas consciente, quoi. Bref, qui c'est qui a conduit la Riva Volter? Bah, comme vous voulez, mais après, faut peut-être mieux que vous conduisiez l'oracle. Bah, je vais aller mettre un coup de pression l'oracle. Normalement, elle va bien, mais dans le doute, vais vérifier, oui. Elle va pas bien, l'oracle. Elle va très bien, l'oracle. Le capot qui remonte un peu, mais c'est fou, ça. Elle va se super bien, mon oracle. Bon, bah, prends la... prenez la... d'aller bien, oui. Bah oui, prenez la Riva Volter, et puis je vous suis, oui. Attendez qu'elle irait pas par la voiture, d'abord. Bon, bah, écoutez, bonne soirée. Oui, merci, bonne soirée. Merci. Le CHP pour les Speedy, on est à 700 mètres du dernier 10-40. La Speedy 10-4, Et jusqu'à ce qu'on occupe. Comment ça allait péter votre tour? Oui, attends deux secondes. Oh non, me faites pas ça. Oh, allez pas. Elle avait littéralement rien du tout. Je vais manger un spanner. Eh ben merci. Bonne soirée, bon courage. Bonne soirée, bon courage. Je dois te la garder là. Oh putain! 28 tonnes m'arrive. En deux, non, j'ai le temps. Mais je sais pas où t'habites, moi! Ta 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 ta. Il habite en face de PDP en fait. C'est juste ça. Mesdames, ça dit 23 PDP. Qu'est-ce que tu fais, Parks? Je sais pas. Je sais pas. D'accord. Voilà. J'ai pas vraiment pas le temps d'y réfléchir. Je viens de me réveiller. Oui. Tu veux te poser ces 5 minutes? Ouais. Ouais, on va faire ça. Ok. Tu m'appelles? Ok. Ou pas, tu fais ce que tu veux en même temps. Marche, oui, on fait ça. À plus tard. Bon courage, à plus tard. J'ai roulé vite, Tolok. Vas-y. Attention, je vais rentrer dans le parking. J'ai cru que j'allais me prendre une pompe à essence. Allô. Ouais, coucou, comment ça va? J'ai peut-être été dans le coma. Mais putain, mais c'est fou ça. Comment tu sais ça? Qui t'a dit ça? J'ai mes sources. Bah non, dis-moi qui c'est. Il s'agit quand même de ma santé, de mon dossier médical, oui. Un de mes employés qui a eu le commissaire au téléphone. Un qui? Un de tes employés, c'est ça? Non. Ouais, c'est un de mes employés qui t'a eu au téléphone, justement. Ah oui, bah si, c'est ça, c'est bon. C'est moi qui lui ai dit. Ouais. Wow! Oui, voilà. Vraiment, là? Bon, mais vraiment, mais... Réveillez-vous, bon sang de beau bordel!
Non mais vraiment en plus, mais non. On va aller à peupler le SES là, et oui. C'est super, on est que content, j'adore la vie. Là. Allez. Ah. Pied à terre. Oh mais j'ai pas dit pied à terre, putain. Oh, c'est fou ça. Tu sors des 04 ou tu te touches là? Il se fout de ma gueule. J'appelle SOS. Ah pardon, j'entendais pas. Hop, ça marche. Oui bah si c'est moi qui lui ai dit c'est bon. Ouais mais un mec. Un mec qui a pris la rue en sens inverse, là où on garde nos voitures, tu sais. Ouais. Qui est arrivé à peu pleine balle, apparemment. Enfin, je t'avoue que je me souviens pas trop de ce qui s'était pas passé, mais c'est ce qu'on m'a dit. Donc voilà, quoi. Okay. Un petit trauma, des choses comme ça. Oh bah, les jambes, c'est surtout qu'on a compris au final la hanche, ça allait. Mais oui, j'ai pas passé la nuit et une bonne partie de la journée sous respirateur, du coup, oui. Et de ce que j'en sais, le collègue qui était avec moi, puisqu'on était deux, était en fauteuil roulant, lui. Oui, ça a dû être un peu violent, mais j'ai pas souvenir. Comment tu te sens, toi? Voilà, ça va, je suis en service. Tout va bien. Tu te ménages un peu quand même, hein? Oui, bah, de toute façon, tu vois, au fait final, ça m'arrive même pas quand je suis en service, en fait, je te dise, moi. Non, j'étais en train de prendre ma fin de service, j'étais en train de aller sortir ma voiture, voilà. Par contre, je t'avoue que j'ai lu un truc du Weasel, ça m'a tendu très très fort là. Très 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 fort. C'est pas de ta faute, mais je suis très tendu. Envers le Weasel. Parce que. Radar. Oui. Parce que quand. Bonsoir. Petit souci de deux types, on l'a pas vu et lui apparemment nous a vu. Quand mon co-commissaire appelle les personnes du Weasel. Pour leur donner des infos, et qu'on lui dit « Ah bah les personnes qu'on concernait sont pas là, faut rappeler un peu plus tard. » Ouais. Ouais. Un peu gênant quoi. Ouais, je vois ça. Donc je te cache pas qu'on... On risque de répondre en fonction de ce qu'on décide, oui. Voilà. Et bon, c'est pas de ta faute, mais j'ai quand même t'attendu. Mais je me mets, mais je me ménage, hein, ouais. Hein. T'inquiète, je suis pareil de mon côté que tes directions, t'inquiète pas. Oui, mais j'ai cru qu'on comprendre que ça allait pas fort, toi non plus. Non, pas trop. Mm-hmm. C'est avec. Tu veux qu'on en discute? Oh, c'est... Reculez! Pardon. Oh, les malades. Grosse restructuration à faire en termes de fonctionnement et ça demande du temps et, ouais. et du boulot et ouais c'est ouais. Pas passé tous les jours. D'accord. Mais toi tu vois le bout quand même ou pas? Peut-être que je verrai d'ici deux semaines. D'accord. Mais ça te démotive pas? Non, ça va. Par contre, il y a une voiture qui est à contresens au point B1, mais tout va bien. Oh, oui. Faut pas trop poser de questions, c'est exactement ce qui vient de nous arriver, oui. On peut pas y faire grand chose. C'était pas un conseil. Ah oui, bah tant qu'il te faufauche pas. Bah il passait à 140, mais à côté de... Ça passait par le barrage. Super. Oui, bah faut appeler la SSHP dans ce caca là. Plus que moi. Faut que je sois au téléphone là. Oui, je te le dis au caca où. Mais oui, compliqué, mais on fait avec. Ça marche. Bah toi aussi, mais ménage-toi. Ouais, j'essaye. Bah allez, fais attention à toi. Yep, toi aussi. Des bisous. Bisous. On attend quoi, là? Qu'attend-on? De toute façon, chat, je vais pas vous cacher que je vais devoir vous lâcher parce que j'ai trop de ping. La co ne veut plus vous envoyer de live. Il est estropié. Ah oui, c'est un peu ça. Veux-tu? Aïe. Et vous, ça va, madame? Bah, moi, ça va impec. Pourquoi ça irait pas? Il va pas bien, mon agent? Et moi, oui. Si, il s'était foulé le doigt, mais on l'a remis en place. Foulé le doigt, ouais.
vais renseigner la voiture. Ça marche. Et bonsoir, messieurs, de courage. Pétrole, pose pas de questions. Merci, moi, ce soir. C'est parti. Pétrole, vraiment, pose pas de questions. Je me demandais à qui était ce parbuff. Non, la co, elle est pas cool et franchement, ça me déçoit beaucoup. Vous le savez déjà. Et c'est en partie pour ça que j'avais arrêté de live. C'est parce que c'est très décevant, en fait, de... Ah, il est passé à droite de la voiture. C'est très décevant parce que j'ai envie de vous partager ce que je fais, quoi, ce que Nash fait. Et à chaque fois, je me retrouve... voilà, le soir, il faut pas que je live. Donc il faut proposer des lives qu'en après-midi, sauf que Nash ne vient plus vraiment l'après-midi. Ce qui est un peu embêtant. Et du coup, 10-23 PDP. Pour les HP, besoin de 10-24 sur la 5-37. 16-08, reprise de batterie. Donc je pense que je vais lâcher, je vais voir si je peux pas vous envoyer quelque part. Vous êtes soigné ? Oui. Ah bah nickel ! Nickel. Vous niquez qui ? Ah pardon. Oh là là. C'est les antalgiques, ça... Ah, je vais m'enlever, ça va mal finir, je sens. Ah, oh, commandant, je vous avais pas vu. Bonsoir, Grant. Mais c'est saut pour expliquer, on est à 2 km du dernier appel. Dame 23, on est à 1,8 km. Bon, et eh ben écoutez. Oh bah non. On va se foutre là. Et puis je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci d'avoir suivi le live malgré les bugs plus ou moins constants qui donnent envie de péter les plombs. Merci d'avoir commenté également ce qui se passait. Et puis je vais vous envoyer chez un copain à qui je n'ai pas parlé depuis, depuis un temps. Une personne que j'apprécie. J'apprécie moins son perso maintenant, mais. 23, vous allez comprendre. 61/9. Voilà. Des gros bisous. Et peut-être à jeudi, peut-être que je streamerai le Grand Deal avec Chrono, Nelly, mais Animo Wish. Ou peut-être pas. Vous verrez. À la prochaine. Des bisous. Ciao, ciao.